Donc bonjour à tous, et je suis ravie de modérer cette session des GECO qui porte sur le mystère de la productivité. Donc pour m'accompagner dans ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités illustres, donc dans l'ordre alphabétique, Philippe Aguillon qui est professeur au Collège de France et qui a la chaire d'institution, innovation et croissance, qui est aussi professeur à la London School of Economics, à l'INSEAD et à PSE. Vincent Oussiou, qui est directeur du département économie de France Stratégie et rapporteur général du Conseil national de la productivité. Et Claire Lelarge, professeur de sciences économiques à l'université Paris-Saclay. Donc pour parler de ce vaste sujet qu'est la productivité et du mystère de la productivité, qui est en fait tenter de comprendre pourquoi la productivité est aussi faible dans les pays développés depuis quelques années, et même depuis une bonne décennie. Donc j'ai préparé une petite introduction. Alors, pour vous montrer que finalement la révolution numérique, puisque cette baisse de la productivité s'inscrit justement dans le cadre de la révolution numérique, donc cette révolution qu'on appelle révolution des TIC, des technologies de l'information et de la communication, elle est finalement la troisième révolution industrielle. Donc on a eu une première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, avec notamment la machine à vapeur, une deuxième révolution industrielle ensuite à la fin du XIXe siècle avec l'énergie électrique, le pétrole, la chimie, et une troisième révolution industrielle donc dans les années 70, qui a commencé dans les années 70, qu'on appelle révolution des technologies de l'information et de la communication, et qui, justement, aujourd'hui, devrait produire ses effets. Or, on a du mal à constater les effets de cette révolution. Donc aujourd'hui, on est dans une quatrième révolution industrielle qui s'amorce, avec l'introduction de nouvelles technologies, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Mais ce sur quoi on va nous se concentrer, c'est vraiment cette révolution numérique, puisque c'est celle dont, aujourd'hui, on doit voir les effets. Ici, donc vous avez un petit graphique que je dois à notre collègue Gilles Berset, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc Gilles Berset, Antonin Bergeau et Rémi Leca, donc qui ont fait, enfin, m'ont transmis ce graphique, donc qui vous montre le taux de croissance du PIB par habitant. Et donc ce que vous voyez en fait, ce sont des vagues. Et en réalité, on voit une grande vague. Vous voyez une vague qui s'amorce en noir. Ce sont les États-Unis, donc dans les années 30, et ensuite plus tard en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce que Gordon appelle la One Big Wave, donc cette grande vague de croissance qui correspond à la deuxième révolution industrielle. Mais ce que vous constatez quand on regarde le reste du graphique à partir des années 80, c'est quelque chose de très plat en fait, et c'est une baisse de la croissance du PIB par habitant aux États-Unis, donc depuis les années 90, et c'est la même chose en zone euro, au Royaume-Uni et au Japon. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des minima historiques. Donc comment expliquer que cette révolution des technologies de l'information et de la communication ne se traduise pas dans les chiffres? Et comment expliquer le fameux paradoxe de Solow, dont vous avez certainement dû entendre parler, qui dit « on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité ». Ce petit schéma, donc c'est un petit peu... peut-être difficile à lire, mais l'idée, c'est de vous montrer que, en fait, cette révolution aurait dû avoir des impacts sur la croissance. Parce que, en fait, si on décompose les choses, la productivité du travail, donc ce qui nous intéresse, elle se décompose en productivité globale des facteurs, autrement dit le progrès technique, et en intensité capitalistique, c'est-à-dire les machines par travailleur. C'est-à-dire que plus vous avez des machines perfectionnées, plus ça va accroître votre intensité capitalistique. Et donc les technologies de l'information et de la communication vont irriguer la croissance par plusieurs canaux, le progrès technique dans le secteur justement de ces technologies, mais également dans d'autres secteurs, puisque ce qu'on voit bien, c'est que quand on a des technologies nouvelles, ça irrigue la croissance dans ces secteurs de l'informatique, de l'électronique, mais également dans les autres secteurs, y compris en matière de management, par exemple. Donc vous avez de nouvelles organisations qui se mettent en place. Donc ces deux premiers canaux, et également le canal de l'intensité capitalistique, puisque vous allez avoir des machines plus performantes par travailleur. Donc,
Malgré cela, quand on décompose la croissance, donc je vais passer vite sur ça, c'est également un graphique que l'on doit à Antonin Bergeau, Gilles Verset et Rémi Leca. Ce qu'on voit, c'est que vous avez la composante, si vous voulez, de la croissance, la composante progrès technique qui semble avoir vraiment dégringolé, en particulier depuis 2005. Et donc, c'est là qu'est le mystère dans ces sources de croissance. Pourquoi est-ce que le progrès technique ne contribue pas davantage à la croissance ? Voilà, donc ceci étant dit, je vais donc laisser la parole aux différents intervenants. Donc d'abord à Vincent Houssiou qui va nous rappeler en fait quel est le rôle du capital humain dans le ralentissement des gains de productivité. Alors j'avais prévu en fait quelques diapos supplémentaires, donc je ne sais pas si c'est normal qu'elles n'apparaissent pas, mais... Ah, voilà, d'accord, pardon. Autant pour moi. Donc, avant de laisser la parole à Vincent, je voulais conclure sur ça. Donc, on a, en fait, différents facteurs de croissance, du coup, du progrès technique, donc, qui vont être évoqués par par mes collègues. Donc, le capital humain, c'est-à-dire l'éducation de la main-d'œuvre, l'innovation et l'organisation, les grandes innovations technologiques, les investissements en R&D et les infrastructures, et les facteurs institutionnels. Donc toute la question va être de comprendre pourquoi ces facteurs de croissance ne semblent plus à l'œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'on doit croire Robert Gordon lorsqu'il parle de vent contraire ? C'est-à-dire que pour lui, le capital humain, quelque part, on est arrivé à un sommet, on ne peut pas investir davantage en éducation de la main-d'œuvre, il y a un vieillissement de la population, on a déjà fait toutes les grandes innovations. Donc tout ça fait que voilà, on serait peut-être dans une stagnation séculaire avec l'idée qu'on reviendrait à une croissance de long terme au niveau pré-industriel, et donc on serait condamné finalement à une croissance faible. Donc beaucoup de questions se posent. Comment expliquer ce paradoxe de Solow que je vous ai présenté ? Pourquoi y a-t-il une différence entre les États-Unis et les pays développés ? Est-ce que la croissance de la productivité nécessite que certaines conditions soient réunies sur la formation des travailleurs, sur l'organisation du travail ? Est-ce que la productivité est correctement mesurée ? Est-ce que cette mesure est adaptée à une économie de l'immatériel ? Et on s'interrogera aussi sur ce qui se passe au sein des entreprises. Est-ce que la révolution numérique ne touche que certaines activités dans les entreprises ? Est-ce qu'elle ne touche que certaines catégories de travailleurs ? Donc autant de questions intéressantes pour le temps qui va suivre. Donc, comme je le disais, Vincent va commencer donc, en nous expliquant le rôle du capital humain dans le ralentissement des gains de productivité. Et tu reviendras aussi sur le rôle de l'évitement fiscal en lien avec les investissements dans les intangibles. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Il faut appuyer sur... Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais prendre peut-être la zapette pour... Merci. Voilà, ça devrait être ceci. Donc effectivement, je vais faire un focus sur deux facteurs du ralentissement, donc comme l'a indiqué Céline, notamment sur le capital humain et puis sur l'évitement fiscal. Donc juste pour revenir sur l'introduction, vous voyez ici sur la productivité du travail, la décroissance très forte de la productivité depuis les années 70 dans les économies avancées. Donc en Europe, on est passé de 4% en moyenne annuelle à moins de 1%. Les États-Unis étaient déjà à un niveau un peu plus bas puisqu'ils étaient une économie plus avancée à cette période-là, et donc ils sont aussi maintenant, on est à peu près tous les pays de ce groupe-là sur les mêmes niveaux, et clairement c'est un enjeu absolument crucial puisque la productivité est un facteur principal de la croissance du pouvoir d'achat et aussi des revenus plus largement et donc de notre capacité à financer notamment les grands enjeux qui sont face à nous comme la transition énergétique. Et donc cette décroissance de la productivité pose réellement, enfin des gains de productivité pose réellement question. Donc on a analysé notamment, c'est le travail de Catherine Bruno et Pierre-Louis Girard, l'évolution en tendance de la productivité en France en conduisant une analyse complémentaire de celle qui avait été faite notamment par Gilles Berset. Et donc on arrive aux mêmes conclusions de trois ruptures structurelles en France dans la tendance
de l'évolution des gains de productivité du travail en 86, 93 et 2004. Et derrière, on a analysé les différents facteurs qui expliquent le ralentissement des gains de productivité. Et clairement, ce que l'on voit quand on analyse et qu'on décompose au niveau macroéconomique la tendance des gains de productivité, c'est notamment le rôle fondamental de l'accumulation du capital humain, à la fois dans les gains de productivité. Donc, on mesure qu'il a contribué aux trois quarts des gains de productivité du travail sur la période donc entre le milieu des années 70 et jusqu'en 2018, et que le ralentissement de l'accumulation du capital humain explique de l'ordre de 60% du ralentissement tendanciel de la croissance de la productivité du travail. Donc, bien évidemment, le progrès technique et d'autres facteurs jouent, mais le capital humain est absolument essentiel dans ce ralentissement. Alors, comment mesure-t-on le capital humain ? Bien évidemment, il y a différentes manières de le mesurer. Ici, dans cette analyse, on s'est concentré sur la formation initiale. Et vous voyez dans le graphique de droite, c'est la description en fait du niveau de formation initiale de la population active en France. Et donc, il y a une part de la population qui a fortement cru dans les études secondaires, qui ont finalisé les études secondaires et les études supérieures, et bien évidemment, avec l'augmentation du taux, la croissance de ce taux finit par ralentir. Et donc clairement, alors que dans les années 70, nous avions une progression très forte, 70, 80, 90, du niveau de formation initiale des nouvelles générations qui arrivaient sur le marché du travail, et donc une progression très forte du niveau de formation initiale de la population active, cette progression a fortement ralenti puisque nous sommes arrivés à des niveaux de formation initiale déjà relativement élevés pour l'ensemble d'une génération. Par ailleurs, cette analyse a été conduite sur les autres pays européens et on obtient des résultats tout à fait similaires. Ce facteur est aussi le facteur explicatif majeur du ralentissement des gains de productivité dans les autres pays, dans les autres économies avancées. Le sujet est en même temps quelque part peut-être une note d'espoir, c'est que, comme on le sait, la France, malheureusement, a des performances relativement médiocres en termes de formation, en termes de formation initiale et de formation continue. C'est un espoir au sens où on a une marge d'amélioration qui peut aussi contribuer à relancer les gains de productivité. Quand on se compare avec les enquêtes de l'OCDE, PIAAC et PISA, avec les autres pays, on voit que la France est très en dessous du niveau de pays comparable en termes de PIB par habitant. Et en plus, l'écart est encore plus important lorsqu'on compare la France sur les compétences des adultes du quartile les plus bas en termes de mesure des compétences par les enquêtes de l'OCDE. On a en plus, quand on regarde métier par métier, vous voyez les petites croix, ça correspond à la France. La France se situe à gauche en termes de niveau de compétences par métier. Lorsqu'on se compare, alors bien entendu, toute enquête a ses limites, mais il y a une convergence quand même des résultats qui montrent que nous avons une performance relativement médiocre quand on se compare à des pays de niveau comparable. Et ce qui est bien entendu assez désolant, c'est que lorsqu'on regarde la compétence des jeunes générations, celles qui sont en cours de formation,
La France est à peine dans la moyenne de l'OCDE et avec une décroissance pas très marquée, mais qui est quand même là, qui est assez inquiétante. Et lorsqu'on est un pays de niveau de productivité, de niveau de revenu par tête comme la France, nous devrions être à des niveaux beaucoup plus élevés en termes de compétences de nos nouvelles générations et aussi de l'ensemble de la population active. Et clairement, alors vous connaissez probablement cette enquête Teams qui a fait beaucoup de bruit sur les compétences en mathématiques. Vous voyez, la France est en bas du tableau de la liste des pays, à la fois sur l'ensemble des différents niveaux de compétences. Et c'est très inquiétant puisque, bien évidemment, les compétences en matière scientifique dans un monde technologique sont absolument essentielles et nous devons là-dessus progresser pour, bien entendu, améliorer ces compétences et améliorer du coup nos capacités à innover, à adopter des nouvelles technologies. Par ailleurs, un autre constat absolument désolant, c'est que la France est particulièrement peu performante en termes de compétences des étudiants issus de milieux plus défavorisés. Nous sommes ici dans un pourcentage plus bas que la moyenne de l'OCDE pour les étudiants du premier quartile qui réussissent à atteindre le meilleur niveau de compétences. Alors, une note du Conseil d'analyse économique aussi sur le sujet a bien entendu pointé les insuffisances donc de notre système éducatif. Hein, et Claire est une des auteurs et pourra éventuellement commenter, mais ce graphique est très important puisque notre performance en termes de compétences qu'on appelle transversales ou soft skills, tout ce qui est au-delà des compétences notamment relationnelles, en termes aussi de confiance, de travail en groupe, etc. Comme vous voyez sur ce graphique, la France, malheureusement, performe beaucoup moins bien que des pays comparables. Et c'est un enjeu absolument essentiel. Parce que dans les nouvelles technologies, pour les économies modernes, ces compétences-là sont de plus en plus importantes. Par ailleurs, nous avons en France une concentration plus forte dans les entreprises les plus productives des salariés au niveau de formation les plus élevés. L'écart avec les autres pays est très marqué. On voit en bleu la France et les autres pays de l'OCDE, la moyenne. On voit que à la fois les salariés aux plus fortes compétences sont dans les entreprises les plus productives, très largement plus que dans les autres pays, et inversement pour les salariés à moindre compétence. Et si les entreprises moins productives avaient un mix de salariés avec des compétences équivalentes à ceux qui se trouvent dans les entreprises plus productives, les gains de productivité pourraient être très forts dans le cas de la France, plus que dans les autres pays de l'OCDE. Donc ça illustre quelque part une possibilité d'améliorer notre productivité et du coup d'améliorer notre croissance et notre pouvoir d'achat. Et donc les constats, très rapidement, c'est à la fois donc une faible performance de la France en numératie et en littératie quand on se compare aux pays comparables, une performance relativement médiocre de notre système éducatif français quand on se compare aux pays partenaires,
Et l'importance là-dessus, comme je le disais, est notamment l'importance des compétences transversales, non cognitives, qui sont compétences relationnelles notamment. Et notre système éducatif là-dessus est relativement peu performant. On connaît un pays comme la Finlande, par exemple, qui a réformé son système éducatif et beaucoup progressé dans ce domaine. On pourrait faire évoluer nos méthodes pédagogiques de ce point de vue-là. Et donc l'importance croissante de la qualité de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. On sait qu'en France, en termes de formation continue, elle bénéficie plus aux salariés déjà bien formés et pas suffisamment à ceux qui sont qui ont un niveau de formation initiale plus faible ou qui sont plus éloignés du marché du travail. Alors il y a eu des réformes en ce sens pour accroître la formation tout au long de la vie en direction notamment des publics plus défavorisés, mais clairement nous avons là un enjeu essentiel et qui peut être un moteur de gain de productivité très important si nous arrivons à améliorer nos performances de ce point de vue-là. Et je finis rapidement sur un autre sujet qui relève plus de la mesure des gains de productivité. Comme vous savez, nous sommes dans un monde dans lequel il y a de l'optimisation fiscale agressive très importante. On a évalué qu'en gros, 40% des bénéfices des entreprises au niveau mondial sont déplacés vers des paradis fiscaux. Alors ça, c'était une mesure en 2015. Que par ailleurs, la montée en puissance des intangibles, qui ont dépassé les investissements dans les actifs matériels, les intangibles permettent une optimisation fiscale plus facilement, puisque donc, comme des actifs immatériels, ils sont plus facilement déplaçables de manière artificielle, ils amènent en fait à sous-estimer l'activité d'une entreprise dans un pays lorsque celle-ci, quand c'est notamment quand une entreprise a des filiales dans des paradis fiscaux. Et si la mesure de l'activité de cette filiale dans le paradis fiscal est erronée, dans ce cas-là, on va avoir une mesure fausse de la productivité de la maison mère ou de la filiale, ou des filiales qui sont dans des pays à niveau de taxation plus élevé. Le fait que les actifs immatériels sont maintenant devenus de plus en plus importants facilite en quelque sorte de déconnecter le capital, donc sa part notamment immatérielle, avec l'activité productive. De ce point de vue-là, donc dans le capital immatériel, il y a les droits de propriété intellectuelle, il y a tout ce qui est base de données, et on sait qu'aujourd'hui la data est de plus en plus importante, tout ce qui est autour de la marque, de la recherche-développement, de la formation et d'autres aspects. Et donc je vais terminer là-dessus, sur l'étude notamment de Jean-Charles Brincogne, de Samuel Delpech et de Margarita López Forero, qui étudie au niveau des données individuelles d'entreprises des multinationales françaises, sur les données entre 1997 et 2015. Et ce qu'il montre de manière marquante, c'est que lorsqu'une entreprise multinationale ouvre pour la première fois une filiale dans un paradis fiscal, sa productivité dans les années qui suivent baisse de l'ordre de 3,5 points. Et clairement, bien évidemment, ça ne veut pas dire que l'entreprise elle-même devient moins productive, ça veut dire simplement qu'elle déplace artificiellement de l'activité dans le paradis fiscal, et que donc on mesure moins d'activité dans le pays de la maison mère, donc en France. On voit notamment que cet impact est beaucoup plus marqué pour les entreprises intensives en actifs immatériels. La baisse est de l'ordre de 4 points contre 2,7 pour les entreprises qui sont moins intensives en actifs immatériels. Et ceci peut expliquer
Si on le reporte à l'échelle macroéconomique, compte tenu du poids de nos multinationales dans l'économie française, ça peut expliquer une baisse de 10% des gains annuels de productivité. Et pour terminer, c'est une analyse qui a été aussi faite aux États-Unis. On constate des chiffres du même ordre de grandeur. Et puis également, il y a un travail de l'OCDE qui le réalise dans plusieurs autres pays et qui constate ces effets. Donc clairement, l'accord, notamment à l'OCDE, sur la taxation minimale des entreprises multinationales peut aider, peut-être, à limiter un petit peu ces effets. Bon, il faudra bien évidemment qu'ils deviennent efficaces et qu'ils fonctionnent, mais clairement, il y a un espoir en ce sens. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, donc, je partage ton constat, notamment sur cette taxation des multinationales et notamment la taxation des GAFA, hein, puisqu'on voit bien avec un certain nombre de montages de sandwichs hollandais, de doubles irlandais, etc. Et on voit bien qu'effectivement, on a des pays à faible fiscalité, des tunnels, des paradis fiscaux qui permettent de... Donc, d'où la nécessité de taxer sans doute les GAFA. Et je voudrais peut-être aussi, j'aurai l'occasion de te demander ton avis tout à l'heure, mais je pense que la fragmentation des chaînes de valeur aussi qu'on observe rend aussi difficile la mesure de la productivité, puisqu'effectivement, pour un même produit, on peut produire dans 20 pays différents, donc on a du mal à savoir où est la plus-value, où est la valeur ajoutée, et donc à mesurer la productivité. Alors, je vais passer la parole donc, tout de suite à Philippe Aguillon, qui est un des grands représentants des économistes schumpeteriens, donc qui va nous donner son point de vue justement pour expliquer le mystère de la productivité. Donc je connais son enthousiasme coutumier et donc je sais qu'il va nous essayer de nous expliquer justement pourquoi on a cette faible productivité et peut-être nous donner un peu d'espoir, donc en complétant ce qu'a dit Vincent justement sur les questions de mesure et de capital humain. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, Céline, merci d'avoir organisé cette session. Et voilà, je trouve passionnant ce qui a été dit par Vincent. Et je sais que Claire a aussi des choses très importantes à dire. Donc, ce que je vais dire est complémentaire de ce que vous avez dit. Donc j'ai un peu travaillé, pas mal d'ailleurs, avec. On en parle dans notre livre avec Céline et Simon Bunel, le pouvoir de la destruction créatrice, dans le chapitre 6. Et beaucoup de ce que je vais raconter est basé sur des travaux que j'ai fait en commun avec Antonin Bergeau, qui est ici, donc qui a fait référence déjà par Céline. Alors, monsieur, on s'est beaucoup intéressé à comprendre déjà pourquoi aux États-Unis, depuis le... Alors là, je ne sais plus comment je passe les... Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Voilà. Ah, voilà. Pourquoi, en fait, depuis surtout le début des années 2000, disons même, il y a baisse de la croissance de la productivité aux États-Unis. Alors, il y a eu une augmentation de la croissance entre 1995 et 2005, et puis ça s'est mis à rebaisser depuis le début des années 2000. Et donc, on essaye de comprendre. Donc, toujours, c'est les travaux d'Antonin, Gilbert Sette et Rémi Leca, qui montre ces vagues, et d'essayer de comprendre surtout la dernière partie qui est, je ne sais pas si j'arrive à pointer là, non, je ne crois pas que ce soit bien, de toute façon, parce que ça c'est deux. Voilà, donc il y a plusieurs explications, et il y en a eu plusieurs qui ont été développées déjà, donc ce que je propose est complémentaire de ce que Vincent et sans doute Claire vont parler, mais en tout cas il y a trois explications qui ont été mises en avant, parmi d'autres. L'une, c'est l'idée que les idées sont plus difficiles à trouver. C'est des travaux de Nick Bloom, Charles Jones, John Van Drinnen et Michael Webb, qui sont par ailleurs des amis et des co-auteurs, etc., tous pratiquement. Et c'est cette idée que, en fait, eh bien, il y aurait une diminution de la productivité de la recherche au cours du temps, que c'est de plus en plus dur à trouver de nouvelles idées. Donc ça, c'est un diagramme. C'est des choses que Chad Jones avait travaillé depuis les années 90. Il dit voilà, vous voyez, la croissance, le taux de croissance de la productivité américain, c'est la courbe qui est plate, et puis le nombre de chercheurs, c'est la courbe qui monte. Et vous voyez qu'on a de plus en plus de chercheurs pour ne pas faire augmenter la croissance. Donc ça veut dire que forcément,
La productivité de la recherche définie comme le ratio de la croissance économique sur le nombre de chercheurs aurait baissé. Ça, c'est un peu l'idée, d'accord ? Et je parle sous le contrôle de mes collègues, évidemment. Et ils disent, mais on va regarder ça aussi dans des secteurs. Par exemple, ils regardent le secteur des transistors. Et ils disent, ben voilà, il y a la loi de Moore qui est que chaque 2 ans, le nombre de transistors sur un chip double, sur une puce, oui. Et en fait, mais seulement, il faut de plus en plus de chercheurs pour faire doubler le nombre de transistors sur un chip. Donc ça montre bien que même quand on passe à un niveau désagrégé, il y aurait cette baisse de la productivité de la recherche au cours du temps. Alors, c'est la loi de Moore. Donc en fait, maintenant, pour faire doubler le nombre de transistors par puce, il faut 18 fois plus de chercheurs qu'il en fallait au début des années 70. Donc vous voyez, ça montre bien, disent-ils, que la productivité de la recherche a baissé. Alors moi, je trouve que c'est un très beau papier, très intéressant, que on recommande la lecture. Et c'est tous des très bons amis et de formidables chercheurs. Moi, ça ne m'a pas totalement convaincu, pour être honnête, et j'ai posé ces questions quand j'ai discuté leur papier, parce que je me suis dit, mais en fait, quand tu te travailles sur des semi-conducteurs, tu fais davantage que de... Tu dis, voilà, la puce, elle peut faire d'autres choses, quoi. D'abord, tu la rends moins chère, et puis tu ajoutes des différentes options. Donc, en fait, si tu veux, c'est que tu augmentes la variété des produits. C'est pas juste que tu augmentes le nombre de... Tes puces, elles peuvent faire beaucoup plus de choses. Et donc, il faudrait déflatter par une mesure de variété, ce que eux ne font pas. Et peut-être que si tu... C'est-à-dire qu'on fait des puces, peut-être qu'ils peuvent faire beaucoup plus de trucs, en fait, que ce qu'on mesure. Voilà. Donc, il faudrait déflatter par la variété. Et si tu déflates par la variété, peut-être que tu ne trouves pas que tu as une telle baisse de la productivité de la recherche. Voilà. Et ça, c'est une question que je leur ai posée quand j'ai discuté leur papier à American Economic Association il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans. Pour le moment, je n'ai pas eu de réponse à cette question. Voilà. Donc ça, c'était... Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, une partie des dépenses de R&D sont pas vraiment technologiques. Il y a John Sutton, qui est un collègue à moi à la London School of Economics, qui vous explique qu'en partie, les dépenses de R&D, c'est pour empêcher l'entrée. C'est pour empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Donc, c'est des dépenses qui sont en fait un peu que defensive patenting, quoi, qui sont dans des buts de barrière à l'entrée. Voilà. Et là, il y a ce diagramme bien connu de mon ami Oufouk avec Francesca Lotti et Salomé Baslanze. C'est des firmes en Italie. Et à gauche, c'est les firmes les plus importantes. À droite, c'est les firmes les moins importantes. Et les petits carrés, c'est les brevets par travailleur. Et les petits triangles, c'est les dépenses des firmes italiennes pour embaucher des politiciens locaux. Et plus on est important, plus on met la gomme sur les politiciens et moins sur les brevets. Voilà. Et donc, il faut savoir. Bon, c'est en Italie, peut-être que chez nous c'est pareil, j'en sais rien. Mais donc, ça fait apparaître. Voilà. C'est intéressant. Ça fait apparaître la dimension de lobbying, de barrière à l'entrée. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'explication. Les idées plus dures à trouver, c'est pas évident. Quoi. Voilà. Cette explication-là ne me convainc pas pleinement. Il y a une autre explication qui est celle de la mesure. C'est-à-dire, et ça, déjà, il y a été fait référence quand vous parliez de la taxation, peut-être qu'on ne mesure pas bien la productivité. Peut-être qu'il y a des choses, par exemple, moi je prends des photos maintenant, quand j'étais petit, ça montre que je suis un vieux schnock, quand j'étais petit, il fallait acheter un film, il fallait développer le film, il fallait aller, tout ça a été compté dans le PIB. Maintenant tu prends plein de photos sur un iPhone, et est-ce que c'est compté dans le PIB? C'est pas évident. Le temps qu'on économise, on n'a plus besoin d'aller dans une agence de voyage pour prendre ses billets, le temps économisé, est-ce qu'il est compté dans le PIB? C'est pas évident, quoi, voilà, donc il y a évidemment ces questions générales. Mais avec... je vais boire un petit peu d'eau, parce que j'ai un peu soif. Là, je me déshydrate, parce que je suis un vieux monsieur âgé. Voilà. Et donc, avec Antonin et Pete Clino et Timo Bopart et Yui Li, on s'est dit qu'il y a aussi un problème lié à la destruction créatrice, justement, puisqu'on en parle de Schumpeter. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on ne sait pas mesurer l'apport à la croissance du fait de remplacer un objet par un autre objet. Alors je prends toujours le même exemple de la bouteille d'eau, mais je vais quand même fermer parce que sinon je crois que je vais en mettre partout. Je prends cette bouteille et donc la valeur monétaire, donc je fais aucun changement de cette bouteille entre hier et aujourd'hui et que la valeur monétaire augmente. Je me dis c'est purement de l'inflation. Si maintenant je remplace le bouchon de la bouteille par un nouveau bouchon, plus joli, il est déjà pas mal, et que je vois que la valeur augmente, je me dis, ben,
Je sais plus ou moins ce qui est de l'inflation et ce qui est de l'amélioration de la qualité du produit. Mais si je remplace cette bouteille par ce micro, par exemple, je sais pas, et peut-être que, et que ça rend un service beaucoup plus grand de faire ça, je ne sais plus expliquer qu'est-ce qui est de l'inflation et qu'est-ce qui est de l'amélioration réelle de la qualité, parce que je ne peux pas comparer hier et aujourd'hui. Et ce que font les instituts de statistiques en général, c'est que, eh bien, ils ne considèrent, quand ils calculent dans chaque catégorie de produits pour calculer le taux d'inflation, ils ne prennent que les produits qui n'ont pas fait l'objet de destruction créatrice. Ils ne prennent que les produits qui sont soit pas du tout améliorés, soit où il y a une amélioration à la marge qui n'implique pas de destruction créatrice. Mais comme en général, quand il y a la destruction créatrice, c'est là que les augmentations de qualité de services sont les plus importantes, en fait, en faisant ça, on sous-estime la croissance réelle et on surestime l'inflation. Et en fait, en France, la bonne nouvelle, c'est que la croissance de la productivité, elle est 0,7 au-dessus de ce qu'on mesure. Donc ça, c'est intéressant. On va dire qu'on croit plus vite. Et l'inflation est moindre de ce qu'on mesure. Je sais que beaucoup de gens ont peur de l'inflation. Peut-être qu'il y a une menace de... Mais on peut vous dire qu'en tout cas, on est très en dessous de 2% en Europe. Parce qu'il y a ce problème de mesure. Et déjà, on était en dessous de 2%. Mais on est encore beaucoup plus en dessous de 2%. Donc, pour le moment, on a encore un peu de marge sur l'inflation. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Bon, je ne vais pas rester. Combien de temps il me reste, Céline? Il me reste 5 minutes. Un peu plus. 8 minutes. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez, ça c'est la deuxième raison, la deuxième chose. Alors on a un exemple numérique. Là, on dit voilà, par exemple, supposez que vous ayez 80% des biens qui sont comme la bouteille où je ne change rien et qu'il y ait entre hier et aujourd'hui, il y a une inflation de 4%. Supposons qu'il y ait 10% qui soient des bouteilles où je change juste le bouchon, et donc et je suppose que l'augmentation du prix ajusté pour la qualité est de moins 6. Et supposons que 10%, c'est des bouteilles que je remplace par des micros, d'accord ? Et supposons que l'inflation est vraiment de 2%, que la croissance réelle est vraiment de 2%, mais moi j'observe le total, j'observe la croissance monétaire qui est de 4, mais je ne sais pas vraiment ce qu'est l'inflation et ce qu'est la croissance. Qu'est-ce que fait l'Institut de statistique ? Eh bien, il omet les 10% qui sont sujets à CD, qui est Creative Destruction, et il ne compte que les deux premiers. Donc ils disent l'inflation, eh bien ils disent... Pour 80 divisé par 80 plus 10, eh ben ils disent, donc 80 sur 80 plus 10, c'est 4% d'inflation. Ils disent 10 sur 80 plus 10, et moins 6. Ils oublient les biens soumis à destruction créatrice, donc ils vous calculent l'inflation à 2,9. Comme on sait que la croissance monétaire est à 4, ils disent, ben, on a calculé une inflation à 2,9, la croissance monétaire, elle est à 4, donc là, ça veut dire que la vraie croissance doit être à 1,1, mais en fait, elle était à 2, et donc on voit bien qu'on a sous-estimé la croissance et on a surestimé l'inflation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que, eh bien, aux États-Unis, vous voyez, sur la période, notamment 2006-2013, vous voyez, la croissance réelle, c'est de 1,72% de la PGF, la croissance de la productivité, et la croissance mesurée n'est que de 0,98. Alors c'est vrai que la part qui n'est pas mesurée a augmenté un petit peu au cours du temps, donc peut-être un petit peu de ce qu'on considère être la baisse de la productivité, de la croissance de la productivité, est dû au fait que le problème de mesure s'est un petit peu aggravé récemment. Un petit peu, mais ça explique 10%. Mais ça n'explique pas tout. Alors, comme ça n'explique pas tout, on est allé chercher ailleurs, toujours avec les mêmes auteurs, avec Antonin et les mêmes co-auteurs, et c'est l'histoire des superstars. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire ? Donc, c'est toujours les mêmes co-auteurs, et on a ce papier qui est en révision maintenant pour le Review of Economic Studies, qui s'appelle « Une théorie de la croissance qui baisse et des rentes qui augmentent ». Et alors là, on regarde un certain nombre de faits. Et on dit, voilà, d'abord, ça c'est la croissance annuelle moyenne de la productivité globale des facteurs. On voit qu'elle a augmenté entre 1995 et 2005, comme je disais tout à l'heure, mais elle a baissé depuis 2005. Donc c'est le premier élément, d'accord ? Donc on veut comprendre pourquoi il y a cette baisse. Et c'est intéressant parce que c'est surtout dans des secteurs ou qui produisent des technologies de l'information, donc c'est la courbe en noir, ou c'est des secteurs qui utilisent les technologies de l'information, c'est la courbe en gris. Et c'est dans ces deux cas qu'on voit surtout la croissance qui augmente et qui ensuite baisse beaucoup. D'accord ? Donc ça a l'air très lié à technologies de l'information. C'est intéressant. Vous voyez, c'est des éléments, puis après on essaie de mettre tout ensemble.
Deuxième chose, l'entrée de nouvelles entreprises. Elle suit le même mouvement que la croissance. Vous voyez que le taux d'entrée de nouvelles entreprises, dont on parlait avec Vincent tout à l'heure, que j'ai hâte qu'il y ait un rapport de France Stratégie sur Entry of New Firms, voilà. L'entrée augmente entre 1995 et 2005, mais l'entrée diminue après. Donc il semble qu'il y ait quelque chose qui inhibe l'entrée de nouvelles entreprises, d'accord ? Et puis, alors, il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle la part du travail dans le revenu. Elle semble baisser, mais elle baisse particulièrement dans les secteurs qui produisent des technologies de l'information et des secteurs qui utilisent les technologies de l'information. Et alors, une chose très importante, c'est que cette baisse de la part du travail, c'est surtout un phénomène entre entreprises. C'est-à-dire que c'est pas tellement, à part dans le secteur manufacturier, c'est pas tellement qu'au sein des entreprises, la part du travail baisse. C'est que c'est les entreprises où la part du travail est faible qui deviennent hégémoniques. Donc c'est un phénomène d'hégémonie. Et ce phénomène se voit également, à l'inverse, sur les marges bénéficiaires, les markups, comme on dit en anglais. Et vous voyez que les markups en rouge augmentent, mais c'est surtout à la courbe en noir. C'est pas tellement parce qu'au sein des entreprises, les marges ont augmenté, c'est parce que les entreprises à marge élevée sont devenues hégémoniques. Alors comment on met tous ces éléments-là ensemble ? Eh bien, l'histoire est la suivante, celle qu'on raconte, c'est de dire, voilà, il y a des entreprises qu'on appelle superstars, c'est les GAFAM en gros, mais voilà, c'est des entreprises qui ont un capital social, qui ont des technologies, des réseaux, etc. Entreprise superstar, moi, entreprise pas superstar. Arrive la révolution des technologies de l'information. Et donc Claire va pouvoir faire beaucoup plus de choses, évidemment, parce qu'elle n'a plus besoin d'aller dans une agence de voyage, elle n'a plus besoin d'aller, elle économise du temps, donc elle peut avoir beaucoup plus d'activités, moi aussi. Mais Claire, elle est tellement meilleure que moi, qu'évidemment, elle va aller partout. Et qu'est-ce qui se passe avec les technologies de l'information ? C'est que ces entreprises deviennent hégémoniques. Donc au début, comme elles sont plus productives, eh bien, quand elles s'étendent à l'ensemble de l'économie, la productivité globale augmente, et d'où l'augmentation de la croissance entre 1995 et 2005. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois que Claire a envahi tous les secteurs de l'économie, eh bien, elle va inhiber l'innovation des autres. Elle va inhiber l'entrée des firmes. Et c'est pour ça que vous voyez l'entrée baisser. C'est-à-dire que les autres vont moins innover. Et Claire aussi, du coup, parce que Claire, elle dit, moi, je suis tranquille, je suis partout, j'ai moins besoin d'innover. Les autres, ils sont découragés. Et donc, il y a un effet de découragement sur les autres. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était un phénomène qu'à la faveur des TIC, il y a eu cette expansion des GAFAM, notamment, et des Walmart, etc., qui a eu au début un effet qui a stimulé la croissance, mais qui après a eu un effet inhibant sur la croissance. Et c'est en fait le problème. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette explication-là, on voit d'ailleurs que c'est le nombre d'établissements par entreprise augmente le plus pour les grandes entreprises. Vous voyez, ça a augmenté récemment, mais surtout pour les entreprises qui étaient déjà grandes au départ. Alors qu'on aurait pu penser que des entreprises déjà grandes allaient se stabiliser, que les petites entreprises allaient développer le nombre de boîtes. En fait, c'est les grandes qui développent le nombre de boîtes. Ça va être totalement dans le sens de ce qu'on a dit. Et en fait, si vous voulez, pourquoi c'est intéressant cette histoire-là ? Parce que si vous voulez, c'est la différence un peu quand dans le livre avec Céline et Simon, on explique la différence entre il y a le pessimisme de Gordon. Gordon, il dit c'est foutu, d'accord. Et un petit peu mes copains Bloom, Van Rienen, dans leur papier, c'est un peu du Gordon, quoi. Il y a rien à faire, quoi. On devient plus mauvais. Il y a l'optimisme panglossien qui est de dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et nous, on a, disons, un optimisme, je dirais, gramscien, hein, un optimisme de combat. On dit non, on peut y arriver, mais il y a une barrière. Pourquoi il y a ce déclin aux États-Unis ? Parce que, en fait, la politique de, il y a eu la révolution technologique, mais les institutions ne se sont pas adaptées, notamment la politique de concurrence. Il faut adapter la politique de concurrence à l'ère du digital. Voilà. C'est en particulier, si vous voulez, les entreprises, les GAFAM, on peut faire des fusions-acquisitions sans limite et sans qu'on comprenne, et on les a laissés faire, quoi. Et en partie parce que c'est très important, si on veut autoriser ou pas une fusion-acquisition, de se demander est-ce qu'elle va inhiber ou pas l'innovation future et l'entrée future. C'est un problème que nous avons également avec la politique de concurrence en Europe. On regarde que les parts de marché et market definition. Alstom Siemens, on a empêché uniquement parce qu'on disait Alstom Siemens, les gens n'achètent des trains que Alstom Siemens en Europe, les trains à grande vitesse. Sans regarder si le marché était contestable ou pas. On n'a pas regardé entry. Il faut passer à une politique de concurrence très tournée vers l'innovation et l'entrée. Et donc l'idée là, c'est de dire, si je peux réguler les fusions-acquisitions de cette manière, je peux réguler, faciliter l'accès aux données
et peut-être une politique de break-up, comment je dirais, break-up firms, de casser des firmes, quoi. C'est ça, de diviser, hein, démanteler, voilà, comme on avait fait avec AT&T. Peut-être que là, si tu veux, on peut faire repartir la croissance. Donc il y a l'idée que la croissance, c'est le résultat conjugué de technologies et d'institutions. Si les institutions ne s'adaptent pas aux technologies, eh bien, ce qu'il aurait pu vous donner de la croissance devient une barrière à la croissance. Et donc, il y a tout ce débat, maintenant, de transformer, notamment, aux États-Unis. Leur gros problème, c'est le lobbying, c'est les barrières à l'entrée, c'est la politique de concurrence qui n'est pas adaptée. Et je crois que là, c'est le gros changement qu'ils doivent faire pour que la révolution d'éthique et l'intelligence artificielle, qui sont des moteurs de croissance profondément, deviennent vraiment des moteurs de croissance et pas des barrières à la croissance. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe pour ton enthousiasme toujours très communicatif. Je sens que la salle s'est réchauffée d'ailleurs. Alors maintenant, donc Claire, je vais te donner la parole. Donc Claire Lelarge qui va nous parler, ça me fait une très bonne transition puisque justement toi tu vas évoquer les fondements microéconomiques et justement de ce mystère de la productivité, revenir sur l'aspect entreprise parce que c'est vrai qu'on a vu des choses assez agrégées, assez macro. Philippe a évoqué aussi l'aspect micro et donc toi tu vas nous parler de l'hétérogénéité qui existe entre entreprises, sachant qu'effectivement certaines bénéficient d'une productivité élevée et pas d'autres et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Vincent et Philippe. Alors je crois que je vais d'emblée contredire Philippe, hein, la superstar du panel, vous allez le voir, n'est pas de ce côté-là. Et je pense que j'ai passé peut-être un peu trop de mon été à travailler sur ces problèmes de productivité pour apporter beaucoup de réponses précises. Donc malheureusement, j'ai l'impression que je vais vous balancer un certain nombre de questions encore ouvertes. et que vous allez voir, enfin, comme l'a un peu fait aussi, un peu en creux, Vincent et Philippe, c'est-à-dire qu'en 2021, cette session présidée par Céline, mais dans laquelle Gilbert aussi aurait dû prendre part, on se pose encore des problèmes de... Enfin, ça reste encore un concept très mystérieux, et c'est quand même assez fou que ce soit encore le cas. Et donc l'éclairage que je souhaitais apporter dans cette session, c'était de vous montrer en fait... à quel point la profession essaye d'avoir des approches multiples pour essayer de continuer à creuser ce mystère, de continuer à poser des hypothèses, alors qui sont dont on peut plus ou moins tester la pertinence. Hein, c'est rare qu'on puisse vraiment trancher complètement en économie, mais c'est vrai que certaines sont plus crédibles ou plus pertinentes que d'autres. Et donc Céline m'a demandé de faire une petite synthèse sur ce qui est mon cœur de métier, c'est-à-dire les approches microéconomiques de la productivité. Donc ça va être un petit peu méthodologique, mais c'est un peu dans l'optique de vous dire, écoutez, vous savez, les économistes se contredisent, mais y compris lorsqu'ils lisent des données, mais c'est parce qu'en fait il y a encore beaucoup de questions ouvertes et en débat, et c'est ça que je vais me permettre de vous expliquer. Alors, donc la feuille de route pour cette dernière séquence, ça serait déjà de discuter avec vous pourquoi il y a eu un espoir que l'accès accru et récent aux données microéconomiques puisse lever un certain nombre de mystères et un certain nombre de paradoxes, d'accord ? Parce qu'on en est encore au paradoxe de Solow, hein, malgré tout, plus ou moins. Il s'est un peu transformé, mais malheureusement, on est encore en train de creuser ça. J'ai dû muser un peu cet été en travaillant, donc j'ai une approche un peu pessimiste. Hélas, je ne suis pas la superstar, je n'ai pas répondu à toutes les questions, et je vais vous montrer pourquoi et quels sont les champs de recherche possibles, en particulier pour des étudiants qui voudraient continuer jusqu'en thèse ou au-delà. Après, on essaie d'avancer quand même en économie, donc parfois on fait comme si on avait résolu un certain nombre de problèmes, et on fait du raisonnement hypothético-déductif. Supposons que ça soit résolu et qu'on le prenne pour acquis, qu'est-ce qu'on peut quand même en dire, d'accord ?
Et c'est peut-être cette incertitude que l'on, qui est retranscrite dans les médias. Parfois, on paraît hésitant, mais c'est parce qu'on avance à la fois sur les problèmes fondamentaux qu'on a du mal à résoudre, d'accord. Mais parfois, on cherche quand même à donner des indications, notamment aux administrations, au pouvoir politique. Et donc, on prend les résultats qu'on pense les plus crédibles, enfin les conclusions qu'on pense les plus crédibles, pour tenter de continuer à avancer. Et donc, je vais revenir sur certaines choses que Philippe, notamment, mais aussi Vincent, ont pu dire. Et je vais essayer de vous donner quand même un certain nombre des principaux enseignements qu'ont délivré les données microéconomiques jusqu'ici. Avec à chaque fois vraiment un champ de recherche extrêmement dynamique, en fait, et particulièrement renouvelé par Philippe, qui continue à le nourrir et à aiguillonner non seulement ses propres co-auteurs, enfin, il y en a quelques-uns ici, mais aussi ses collègues, comme vous avez pu le deviner dans sa présentation. Alors, petit 1. Pourquoi les informations de type microéconomique, enfin, de niveau entreprise, pourraient-elles aider à lever une part du mystère de la productivité? Alors, j'ai essayé de vous dire, de vous retranscrire concrètement comment je travaillais au quotidien. C'est-à-dire que depuis très peu de temps, moi, à l'INSEE, c'est depuis 2005-2008, l'accès aux données fiscales des entreprises pour les chercheurs via le CASD. Et globalement, ce qui s'est passé donc, depuis très récemment, c'est qu'une grande multitude de chercheurs peuvent commencer à se faire les dents sur ce type d'informations. Qu'est-ce que c'est que ces informations? Ce sont essentiellement des informations issues de l'alias fiscal des entreprises. Donc pour toute la population des entreprises présentes en France, on a notamment leur bilan, où on peut aller tenter de mesurer notamment leur stock de capital, d'accord. Et puis on a à droite leur compte de résultats. Et donc là, on sait ce qu'elles utilisent, ce qu'elles achètent comme input intermédiaire. Enfin, vous voyez, entreprise par entreprise, item par item, ça peut paraître... Enfin, ça a été fascinant. Hein. C'est fascinant, ça reste fascinant. Et donc, ça a été un gros espoir. Tout de suite, évidemment, vous vous souvenez de ce que vient de vous dire Vincent. C'est que je vous ai parlé de l'IAS fiscal. Donc, évidemment, ça ne sera pas robuste aux problèmes d'optimisation fiscale, notamment tout ce qui se passe en France, dans le cas des multinationales. D'accord. Donc, Vincent vous a déjà parlé de ça. Et moi, je vais revenir même à des choses encore plus basiques que peut-être aussi Antonin pourrait compléter. Enfin, ça date un peu, c'est ses travaux même prédoctoraux, mais je pense que quand il a travaillé sur les données macro, il a vu que, même sur données macroéconomiques, mesurer le capital, c'est pas si simple, d'accord. On essaye d'avancer et on passe ces problèmes un peu sous silence, mais ils réapparaissent, ils réémergent à chaque nouvelle vague technologique parce que ça repose de nouveaux problèmes de mesure. Et en fait, ces problèmes de mesure macroéconomiques, ils apparaissent des niveaux microéconomiques. C'est-à-dire que si vous avez peut-être regardé l'alias fiscal que je vous ai montré précédemment, c'est pas très fin, en fait, ce qu'on a sur le stock de capital des entreprises. On connaît pas du tout, leur nombre d'ordinateurs, leur stock de robots, enfin, des choses qu'on aimerait vraiment bien avoir. Et donc, c'est pas très, très facile de faire des indicateurs de productivité et de performance très, très fins lorsqu'on ne sait même pas très finement quels sont les moyens mis en œuvre pour produire. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Donc dans le cadre d'une fonction de production pour les étudiants qui ont, on fait ça au lycée ou en licence, souvent on essaie d'estimer des relations technologiques qui mettent en regard la production de l'entreprise d'un côté et les moyens mis en œuvre de l'autre, à l'aide d'une belle coupe Douglas. Et tout de suite, on se pose le problème du capital, et ça c'est un problème qui date, hein, parce que vraiment, article fondateur, Gridicus, MRS 198, vous voyez, en 2020, on cherche encore des réponses. C'est un papier en révision de collègues spécialistes du domaine. Ce qui est très problématique, c'est que en fait, ce qu'il y a dans l'alias fiscal, c'est du reporting au coût historique des entreprises, de façon à détecter... à minimiser les risques de fraude, on leur demande leur facture et de reporter au coût où elles l'ont acheté. D'accord ? Et donc après, quand on regarde 10 ans plus tard, il y a eu de l'obsolescence,
Il y a eu de l'inflation qui fait qu'on ne peut pas comparer du stock acheté il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et ça, bah, c'est encore un casse-tête. Et on n'a pas encore des méthodologies très, très robustes pour le corriger. D'accord ? Dans le cas d'apparition de nouvelles technologies, c'est encore pire. Même problème de mesure pour les inputs intermédiaires. Vous voyez, des papiers de 2020. Donc, très vieux problème, mais on est encore en train de réfléchir. Le souci, c'est qu'on a du reporting en valeur agrégée, alors qu'on aimerait bien savoir, mais qu'est-ce qu'elles utilisent item par item, notamment pour bien suivre les chaînes de production et internationales de valeur et bien contrôler du fait que la valeur ajoutée se fasse en France et pas dans un autre pays. Donc ça, c'est très important. Pour le travail, alors comme en France, on peut appareiller les données fiscales avec les déclarations annuelles de données sociales qui font un reporting très ferme au niveau salarié. A priori, c'est mieux, mais en fait, on observe rarement la qualification des travailleurs. On a leur occupation, leur PCS, mais c'est une proxy qui est très, très, très faible du capital humain. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Vincent a utilisé un peu d'autres choses pour vous faire son argumentaire. D'accord. Alors, si Gilbert était là, il parlerait aussi du taux d'utilisation de ces facteurs. En fait, dans les données fiscales, on ne sait pas si ces gens ont été en chômage partiel, quel était le taux d'utilisation des machines. Et ça, évidemment, ça affecte la mesure de la productivité qu'on peut faire. D'accord. Et alors, j'ai mis en tout petit un truc très important. C'est que là, j'ai dit, oh là là, on a encore plein de problèmes de mesure. Moi, chercheur, les instituts statistiques ne me donnent pas suffisamment d'informations. Mais je dois vous avouer que si on me donnait tout ça, je ne saurais pas trop comment faire, parce que ça ferait quelque chose d'extrêmement, de dimension extrêmement importante, d'accord ? Essayer d'estimer des index de productivité avec tous les inputs intermédiaires, toutes les machines, une par une, selon le degré d'obsolescence. Oui, en théorie, il me faudrait tout ça. Mais si on me le donnait et que j'arrêtais de me plaindre, il faudrait que je me mette à travailler très, très sérieusement parce que je n'ai pas la méthodologie d'estimation qui permettrait d'incorporer tout ça. Alors, ça va peut-être changer avec des techniques de big data, etc. Donc ça, potentiellement, il y a potentiellement vraiment beaucoup de choses à faire très fascinantes. D'accord ? Voilà, donc j'essaye d'être déprimante, mais pas trop. Par contre, je n'arrive plus à avancer. Merci, merci beaucoup. Ce qui devait arriver arriva. Alors, par ailleurs, en fait, en microéconomie, l'estimation de la productivité des entreprises pose parmi les problèmes les plus redoutables d'économétrie. Donc, j'ai fait vraiment, vous voyez, une présentation très basique, mais ça me semble important et honnête de vous le dire. À nouveau, des papiers très récents qui refont le point sur ces méthodologies d'estimation et qui sont toujours en cours de développement. On a des gros soucis de variables omises, c'est-à-dire que même si j'ai l'alias fiscal avec tout ce que je vous ai décrit, je n'aurai pas de proxy, en particulier de la qualité du management à l'intérieur des entreprises. Et on sent bien que le management, ça va être très important pour parler d'efficacité, de la motivation des salariés, etc., pour produire plus, mieux, etc., etc. Et donc ça, c'est un champ de recherche vraiment porté par Nick Bloom et John Varinon depuis leur papier de 2010, dont je reprends ces distributions de scores de management en entreprise. Vous voyez que déjà, ces distributions sont très dispersés au sein de chaque pays. Donc j'espère que vous voyez mieux que moi, mais vous avez la distribution pour les États-Unis, le Brésil, la Chine, la France est en bas à gauche, l'Inde et l'Europe du Sud, Portugal et Grèce, ils font un package. Et vous voyez qu'à la fois c'est très dispersé pays par pays, et puis c'est souvent très différent du pays leader selon leurs mesures, qui est les États-Unis. Et c'est en fait la courbe des États-Unis que vous voyez en surimpression de chaque histogramme. D'accord ? Et dans la période actuelle, l'économie a été complètement bousculé par le Covid et en particulier l'imposition du télétravail dans un nombre de secteurs très importants, vous voyez bien que probablement ces problèmes de management et de mauvaise captation de cet aspect va nous poser beaucoup de difficultés pour la mesure de la productivité dans la période actuelle et en sortie de Covid. Et la convergence vers peut-être un nouvel équilibre organisationnel au sein des entreprises. Beaucoup de travail en perspective, donc voilà, beaucoup de chercheurs dans les
dans les statistiques de Philippe, peu d'idées. Ah, je suis allée trop loin, mais il va falloir travailler. Autre biais d'économétrie. Eh bien, le gros souci de la productivité, on ne vous l'a pas rappelé en début de session, mais depuis Solo, c'est un résidu macroéconomique. C'est-à-dire qu'on prend la production, on enlève les contributions des facteurs de production et la productivité, en gros, c'est avec ce qui reste. D'accord ? Et au niveau microéconomique, globalement, c'est aussi un résidu. Et ça rend la mesure de la productivité extrêmement fragile, d'accord ? Parce qu'on a, voilà, ça va être une mesure de performance des entreprises qui va être éminemment sensible à toutes les hypothèses sur lesquelles on va la construire. Est-ce que la fonction de production est Cobb Douglas ou Translog ? Est-ce que l'entreprise est price taker ? Est-ce qu'elle est preneuse de prix sur les marchés de ses inputs intermédiaires ou pas ? D'accord ? Voilà, toutes les hypothèses d'identification aussi qu'on va faire. Parce qu'on est obligé, on a trop peu d'informations, et donc on est obligé de faire des hypothèses sur la façon dont la productivité évolue au niveau des entreprises. Voilà, donc à la fois beaucoup de potentiel, enfin beaucoup d'opportunités, mais encore une boîte à outils, encore en cours de, très largement en cours de construction. D'accord ? Alors, un second avantage très important des données microéconomiques qui apparaissait un peu en creux en fait dans ce que Philippe a présenté, notamment ses travaux avec Antonin sur Missing Growth, c'est qu'en ayant accès à des données d'entreprise, on peut commencer à faire des décompositions par sous-population et aller regarder l'entrée, la sortie, ce qui se passe au sein des entreprises pérennes. Alors, l'un des premiers papiers à proposer cela, c'était un papier par Bailey, Hulten et Campbell dans les années 90, qui vous montre en fait, voilà, un exemple parmi plusieurs qui ont été proposés depuis, de décomposition de ce type, où la productivité agrégée apparaît comme une somme pondérée des productivités individuelles des entreprises, mais pondérées par leur importance sur leur marché. D'accord, c'est ce qu'on voit à gauche, pour ceux qui aiment les équations. Et puis, on peut le décomposer parmi la population grand S, les survivors, celles qui survivent de la période T-1 à T, parmi la contribution des sortants. D'accord, si les sortants sont peu productives, voilà, et qu'elles sortent du marché, alors ça va avoir un impact positif sur la productivité agrégée. D'accord ? Et puis les nouveaux entrants, et là, eh bien, ça va être quelque chose d'opposé, c'est-à-dire que si les entrants sont plus productifs que les incumbents, alors ça va avoir une contribution positive sur la productivité agrégée. D'accord ? Alors, ces décompositions sont très utiles pour border le débat, d'accord ? Mais il y a des contributions, enfin des travaux très récents et encore en cours, qui montrent qu'en fait la simplicité est trompeuse, c'est-à-dire que ce type de décomposition comptable est très utile, mais on ne peut pas pousser trop loin la capacité d'interprétation de ces différents termes. En particulier, donc Sophie Ozotim-In, qui est une ancienne collègue, et puis les travaux d'Emmanuel Farry et David Bakaï, continué par David Bakaï, montre que ces décompositions ne permettent en particulier pas de capturer et de mesurer ce qui est réellement dû aux réallocations entre entreprises. D'accord ? Parce qu'il ne faudrait pas pondérer les entreprises par leur part de marché, mais il faudrait déjà commencer par les pondérer par ce qu'elles utilisent en termes d'input. D'accord ? Et puis il ne faudrait pas aller regarder leur productivité moyenne, mais leur productivité marginale. C'est, voilà, c'est une retranscription de la révolution marginaliste qui impacte ce type de décomposition. Donc, prudence, quand on balance à la figure ce type de décomposition, il faut être très, très soucieux des interprétations que l'on peut réellement en faire. D'accord ? Bon... Donc beaucoup de travail encore à faire pour les années futures.
Quels sont, alors voilà, petite synthèse très personnelle, des principaux enseignements des données microéconomiques que, pour ma part, j'ai compris, petit 1 et petit 2, qui me semblent crédibles, mais c'est très partiel, c'est très partial, et je serais heureuse d'en discuter en fait, avec vous et avec mes collègues. Qu'est-ce que je retire de mes lectures de ces 15 dernières années et de mes propres tentatives d'essayer de comprendre les choses. Petit 1, en passant d'une donnée macro à des données microéconomiques, évidemment, on trouve de la dispersion. D'accord ? Ça aurait été étonnant que toutes les entreprises aient exactement le niveau de productivité moyen. Mais ce que l'on obtient, c'est une dispersion qui est étonnamment importante. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant. Notamment quand on a en tête, quand on pense que, et que l'on a des intuitions qui montrent que les phénomènes de création-destruction sont importants. Malgré ces phénomènes, en fait, la dispersion reste quand même importante. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui nourrit vraiment beaucoup, très basique, hein, mais qui nourrit encore beaucoup de travaux. Et donc, là, je vous ai montré, je mets des références un petit peu, enfin, les principales références, les premières références qui ont fait ces points, mais donc c'est un des travaux de Syverson, Jennifer Syverson, qui montrait ça dès 2004, pour un secteur dans lequel les problèmes de mesure étaient très réduits, celui du béton. D'accord. Donc on sait que le béton, en fait, il y a peu de problèmes de mesure de la qualité, de mesure de nouveaux produits. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qu'il est facile de bien contrôler. Et bien même parmi les producteurs de béton aux États-Unis, voyez, très grosse importance de la dispersion de la productivité, soit en niveau, soit en prenant le log pour faire des différences en pourcentage entre entreprises dans le panel de droite. D'accord. Donc premier point. Et ça c'est très étonnant. C'est très étonnant et ça paraît robuste. D'accord. Deuxième point, cette dispersion semble plutôt en croissance sur la période récente. Et beaucoup de travaux, alors certains cités par Vincent, mais pas complètement sur ce point, montrent que voilà, il y a des différences qui sont croissantes entre entreprises. Philippe a parlé des big start firms versus les autres. D'accord. Vincent, tu as cité les travaux en fait, de l'OCDE, enfin, qui sont connexes à cela, et qui ont montré également qu'il y aurait une disjonction entre les entreprises qui seraient à la frontière, et souvent des grosses, des big stars, et les autres. D'accord. Ce qu'ils appellent la garde, c'est les 90% suivantes. Donc, j'ai peur d'être la garde en science. Mais, donc voilà, c'est une catégorie qui est très très peuplée. Et ça, c'est quelque chose qui semble frappant et qui nourrit un certain nombre de travaux pour essayer de comprendre en fait, ce thème de divergence entre populations d'entreprises, les 5 à 10% les plus performantes versus les autres. Donc, si j'arrive à passer, voilà. Ça n'est pas si facile à interpréter que ça. Et donc, vous avez déjà eu un exemple en particulier avec ce que vous avez présenté, Philippe. Je suis revenue en fait à des papiers un petit peu plus anciens, ceux de Sié et Pete Clino, qui est l'un des co-auteurs en fait, le papier de 2008 qui essayait de réfléchir en fait à cette dispersion de productivité observée dans les données. Alors là, premièrement, gros point de vigilance pour vous si vous voulez vous approprier vous-même ce que font les économistes. L'interprétation que l'on fait des différents indicateurs va différer selon les indicateurs. D'accord ? Dans le panel de gauche, je vous ai mis un indicateur de productivité qu'on appelle physique. Et normalement, c'est celle qu'on a en tête le plus naturellement du monde. C'est un indicateur d'efficacité technologique. D'accord ? Et donc, vous voyez que beaucoup de dispersion entre pays et même intra-pays, même parmi les États-Unis. Vous voyez que c'est quand même un peu plus resserré aux États-Unis qu'ailleurs, mais ça, voilà, c'est assez important. Et puis, dans la colonne de droite, ce que je vous ai mis, c'est un indicateur de productivité en termes de revenus. D'accord ? Et donc, là, vous voyez, c'est un index qui va globalement rapporter la performance en termes de vente plutôt qu'en termes de nombre d'objets produits physiques. D'accord ? Mis en regard avec les facteurs de production.
Et celui-là, on aurait l'impression que ça serait aussi un indicateur de productivité. D'ailleurs, on l'appelle revenue productivity. Et en fait, on ne peut pas du tout l'interpréter. Dans certains modèles, on ne peut pas du tout l'interpréter comme un indicateur de productivité. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, je vais vous refaire un petit exposé à ma sauce de ce que Philippe a dit. C'est-à-dire que dans des modèles très, très simples, on va se rendre compte que dans un certain nombre de modèles de pricing des entreprises, de comportement de tarification, dès lors qu'elles ont un peu de pouvoir de marché, d'accord, potentiellement, elles vont tarifer en établissant un markup au-delà de leur coût marginal. D'accord ? Et leur coût marginal, pas de chance, ça va dépendre de leur productivité, évidemment. D'accord ? Et donc, en multipliant le Y par P au numérateur, eh bien, c'est mort, vous faites tomber le terme de productivité grand A. Et donc, vous vous rendez compte qu'avec un indicateur qu'on appelle productivité et que parfois on mélange allègrement dans les différentes publications, on ne peut pas l'interpréter du tout de la même façon que l'indicateur de productivité physique qui était à gauche. D'accord ? Le revenu productivité, ça va être un indicateur des frictions auxquelles font face les entreprises sur leurs différents marchés, à output ou input. D'accord ? Et potentiellement, ça va être aussi impacté par leur pouvoir de marché à cause de ce terme de markup, de taux de marge, dont vous a aussi parlé Philippe. D'accord ? Et alors, ça impliquerait que cet indicateur est essentiellement pas un indicateur d'efficacité technologique et que la dispersion de cet indicateur serait plutôt mauvais signe. C'est-à-dire que globalement, si les entreprises sont différentes dans cet espace-là, ça voudrait dire que soit elles ont trop de pouvoir de. Enfin, elles sont différentes en termes de pouvoir de marché et il faudra aller taper sur celles qui en ont trop et qui ont un indicateur élevé de ce truc-là. D'accord ? Soit elles font face à des frictions réglementaires, institutionnelles, d'adaptation du capital humain. Là, c'est tout un relatif en capital humain. Et il faudrait donc pas taper sur elles, mais aller essayer de chercher comment réduire ces frictions. C'est les termes en petit taux dans l'expression qui vous est projetée. D'accord ? Donc on aurait l'impression que. Souvent, enfin, le premier point de Cyclino, c'était de dire que la dispersion en termes de cet indicateur, c'est plutôt mauvais signe, en fait. D'accord ? Parce que normalement, dans une économie qui marche bien, il ne devrait pas y avoir de dispersion ici. Et puis, en réfléchissant un tout petit peu plus, il y a des collègues chercheurs qui se disent, est-ce que c'est toujours mauvais signe ? Bah, même pas, en fait. Parce que quand il y a un coût fixe à passer d'un régime ou d'une technologie à l'autre, eh ben, on va générer de la dispersion en termes de TFPR, mais ça ne sera pas mauvais signe, on ira vers le mieux et cette dispersion temporaire ne sera pas forcément mauvais signe. D'accord ? Donc vous voyez à quel point c'est difficile de petit 1 commenter les bonnes statistiques, celles pertinentes pour ce qu'on veut dire, et petit 2, ah oui, je suis toujours trop longue, et en plus de tirer les bons enseignements de la statistique que l'on a sous les yeux. D'accord ? Alors, en plus, évidemment, les mêmes auteurs, donc c'est Bill Skino et co-auteurs, vous montrent qu'en plus, le diagnostic est très, 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 très dépendant des problèmes de mesure dont je vous ai parlé certains, dont vous avez rappelé certains en introduction. D'accord ? Donc, on propose allègrement une courbe en pointillé et une courbe en bleu, selon qu'on s'est coltiné finement ou pas les problèmes de mesure. Et vous voyez que les diagnostics peuvent être assez distincts selon qu'on en passe de l'une à l'autre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, j'arrive plus à passer en plus. Alors, je veux bien un petit peu d'aide. J'ai dû cliquer sur un bouton. Est-ce que vous arrivez à... Ouais, vas-y. Ah, très bien. Ouais, non, c'est l'ordinateur qui a le contrôle là-bas, merci beaucoup. Je vais passer assez vite sur le point que vous a déjà mentionné Philippe en collaboration avec Antonin sur le problème des markups. Donc je vous ai annoncé que cet indicateur de revenu TFP était potentiellement affecté par les markups. Et je vous montre un autre graphique du même papier pour vous montrer que c'est potentiellement effectivement un problème assez important. D'accord. Cependant, le papier de Philippe était une pierre au débat et il y a encore une multitude de papiers qui essayent
On a l'impression que cet argument qualitatif vaut au moins pour les États-Unis. Pour la France et l'Europe, ce n'est pas aussi certain. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et la quantification aussi, là, pour le coup, est encore complètement en débat. D'accord ? Et donc, je vous ai mis là des graphiques issus de papiers donc, très avancés, hein, pareil, extrêmement bien publiés, d'excellente qualité, qui vous montrent que probablement, oui, il y a un problème de mark-up, parce qu'on voit que ça se répercute aussi sur des statistiques plus robustes qui sont simplement des statistiques de concentration. Le petit graphique en bas à gauche, là, ça vous montre les indicateurs de concentration sur les différents marchés, en regardant la part de marché des 5 plus grosses entreprises dans tous les secteurs, et on voit que c'est très, que c'est en croissance. Mais par contre, la quantification, si vous regardez le graphique de droite, elle est très dépendante de la méthode d'estimation du markup. D'accord ? Vous regardez les échelles et c'est pas les mêmes. Voilà. Alors, je vais passer ça parce que, en fait, Philippe en a un petit peu parlé. Et là, je conclue vraiment, Céline, je te promets. J'étais un petit peu usée par mes propres travaux et la liste, la to-do list à faire pour les prochaines années. Mais enfin, bon, c'est peut-être qui va garantir que j'aurai encore un salaire l'année prochaine. Et je souhaitais un peu, voilà, conclure par cette citation de Xavier Gabet dans un ouvrage récent de compilation de ce qu'avait à dire un certain nombre d'économistes français primés comme étant les meilleurs jeunes économistes des différentes années. Et j'aime bien cette citation quand même. Surtout quand elle vient de quelqu'un qui est aussi fort que Xavier Gabet, je me dis, bon, bah, ça ne doit pas être qu'un problème individuel. Donc ça me donne un peu de courage. Voilà, je vous laisse méditer ce point. Merci Claire, donc merci à tous les trois. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, hein, je n'en ai pas reçu pour l'instant, donc moi je vais en poser peut-être une qui est un petit peu, disons, provocante, puisque c'est vrai que quand on vous voit donc tous les trois parler des problèmes de mesure de la productivité, on se demande finalement si aujourd'hui le concept même de productivité, en fait, est vraiment le concept central. Autrement dit, c'est une question que me posent fréquemment mes étudiants, mais donc je vous la pose parce que peut-être que parmi la salle aussi des gens se la posent, c'est qu'à l'heure où on parle beaucoup d'économie du partage, d'économie où effectivement... sans aller jusqu'à la décroissance, mais en tout cas du partage, est-ce que la productivité a encore un sens aujourd'hui, et est-ce que finalement il n'y a pas d'autres indicateurs qui pourraient nous indiquer la bonne santé de l'économie? Qui veut répondre? Non, c'est, ben là, vraiment, c'est pas moi qui devrais répondre, c'est vraiment mes deux collègues. Je pense que c'est utile souvent de regarder plusieurs indicateurs. Tu vois, par exemple, dans productivité, on regarde aussi, une des manières de capturer, quand on a essayé de regarder ce qu'il y avait, ce problème de croissance manquante, on avait regardé de différentes façons. Une, c'est de regarder la dynamique des entreprises, en fait. Derrière les distributions, il y a la dynamique. Est-ce que, par exemple, les entreprises qui restent d'une période à l'autre représentent moins aujourd'hui qu'elles représentaient hier. Donc on se dit, là... Il y a de se concentrer sur les entreprises existantes, on perd quelque chose parce qu'on regarde les parts de marché ou les parts d'emploi, on regarde des choses comme ça. Mais on peut regarder aussi des mesures de brevets, par exemple, et utiliser ça pour dire, voilà, l'innovation, l'augmentation de la productivité. Donc je crois que souvent, ce qu'il faut faire, c'est regarder plusieurs mesures, je crois, pour dire, on capture quand même un phénomène, voilà, au moins qualitativement. Alors peut-être on n'est pas exactement sur la quantification, mais il y a des différents, disons qu'il y a... Il y a des différents indices concordants et on se dit, ben, essayons une méthode. C'est comme quand on fait des instruments, peut-être on en essaye un, mais on en prend un autre très différent. Et si on voit qu'on tombe à peu près sur les mêmes régressions, on se dit, peut-être qu'on tient quelque chose. Ben, mais moi, je parle là sous le contrôle de Claire et Vincent, mais mon sentiment, c'est que c'est un petit peu ça. C'est qu'en général, il faut essayer plusieurs trucs. Et si on voit que les plusieurs trucs te donnent un peu quelque chose, tu dis, il y a quand même quelque chose. Sur les rentes, on voit bien...
On commence maintenant, par exemple, là, tu mentionnais sur les rentes avec Antonin, avec les mêmes auteurs que Missing Growth, et on regarde maintenant, est-ce qu'une rente, c'est une rente d'innovation ? Enfin, c'est intéressant, le problème des rentes. Tu peux avoir des bonnes rentes et des mauvaises rentes. Est-ce que c'est une rente due au fait que moi, tout d'un coup, j'ai un produit qui est bien meilleur que les autres ? Ou est-ce que c'est une rente qui est liée à des barrières à l'entrée ou à des phénomènes de réseau, de découragement, etc. Et c'est intéressant. Et il y a plusieurs méthodes, peut-être, pour y arriver, où tu te dis, il y a quand même un phénomène de rente, où il y a quand même un... Et voilà. Mais ce qui est passionnant, en tout cas, c'est que maintenant, on ne peut plus faire de la théorie de la croissance et de la productivité en supposant qu'il y a une firme représentative. L'hétérogénéité, c'est quelque chose de très important maintenant. Je crois que si on a une contribution collectivement à l'économie, c'est d'avoir dit, voilà, un modèle de croissance où il n'y a qu'un type de firme, où on regarde au niveau macro, etc., ne faites pas confiance. Parce que la croissance, c'est avant tout... Comment on génère de l'hétérogénéité ? Il y a des entrants et des gens qui sont... Il y a des nouvelles firmes et des firmes anciennes. Il y a des leaders et des followers. Il y a des superstars et des pas superstars. Et l'hétérogénéité est au cœur du processus. Et l'hétérogénéité, c'est... Comprendre l'hétérogénéité, c'est comprendre la dynamique des entreprises. Pourquoi il y en a certaines qui croissent, d'autres qui ne croissent pas. D'autres. Et si on ne comprend pas ça, si on n'essaye pas par différents moyens... On passe à côté de ce qu'est la croissance. Je crois que vraiment, on ne peut pas faire l'économie maintenant de mettre l'hétérogénéité au cœur du processus. Voilà, je crois que c'est vraiment... si on aura pu collectivement contribuer à convaincre la profession qu'il faut aller dans cette direction, on aura fait quelque chose d'utile. Mais Claire et Vincent, vous avez certainement des choses à dire, beaucoup plus que moi. Je vais être très très rapide parce que j'ai pris beaucoup de temps. Je suis complètement d'accord avec Philippe et en fait je pense que ça se retranscrit un tout petit peu dans la teneur des présentations qu'on a faites, c'est-à-dire que moi je vous ai fait quand même un exposé très méthodologique. Quand on parle de productivité, on se dit ben, pourquoi pas y aller directement, a priori on devrait pouvoir en 2021, et je vous ai montré toutes les difficultés. Et par exemple Vincent a préféré essayer de vous faire part de vrais enseignements, et en fait il a utilisé des indicateurs plus robustes que directement des indicateurs de productivité. Ce qui est une autre façon de dire la même chose que ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire que quand les économistes sérieux prennent la parole, ils essayent de conforter leur diagnostic par divers indicateurs, multiplicité, et aussi par des indicateurs peut-être plus robustes et moins difficiles à mesurer que ceux qui seraient théoriquement idéaux, mais en fait inaccessibles. Voilà, c'était tout ce que... Effectivement, complètement en complément donc de ce que tu viens de dire, Claire. Alors déjà, peut-être un point de précision, parce que clairement, nous, dans les travaux que je vous ai montrés, on se concentre sur la productivité du travail, qui est mesurée beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus rigoureuse et comparable entre pays que la productivité globale des facteurs. Donc il faut clairement avoir, quand on parle de productivité, les deux concepts en tête. Et donc sur la productivité du travail, clairement aussi, pour revenir à la question de Céline, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est clairement derrière le moteur de la croissance des revenus par tête. Donc, parce que si on produit plus de richesses, si chaque individu produit plus de richesses, eh ben, clairement, ces richesses peuvent être partagées et accroître les revenus, donc le pouvoir d'achat. C'est ce qui a fait croître le pouvoir d'achat, ce qui a amélioré nos conditions de vie quand on se compare avec, bien évidemment, les sociétés plus anciennes. Mais clairement, et je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit, et notamment en lien avec la question de Céline, bien évidemment, la mesure du bien-être dans une société ne se limite pas au pouvoir d'achat, ne se limite pas à la capacité à acheter des biens et des services. Il y a tout un environnement beaucoup plus large, la question de confiance, les opportunités, etc., beaucoup de dimensions. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs ce qu'on appelle l'économie du bien-être s'est beaucoup développée et développe des indicateurs complémentaires, je ne dirais pas nécessairement alternatifs, mais complémentaires aux indicateurs qui sont beaucoup plus classiques de l'économie classique, comme la productivité, qui mesure donc la création de richesses. Et donc de ce point de vue-là, l'importance de la productivité est quand même toujours là, puisqu'elle est au cœur de notre capacité à produire des richesses, à améliorer les conditions de vie. Et alors, même si dans nos pays, certaines personnes peuvent penser que nos conditions de vie, on n'a pas besoin de les améliorer,
il y a quand même toujours une part de notre population qui n'a pas du tout les conditions de vie qu'on espérerait que tout le monde puisse partager, et encore plus quand on regarde au niveau de la planète. Et bien évidemment, on est dans un enjeu absolument essentiel d'arriver à améliorer ces conditions de vie tout en déconnectant des émissions de CO2, de la consommation d'énergie, de la dégradation de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment l'enjeu principal de nos sociétés. C'est comment peut-on continuer à améliorer nos conditions de vie. Alors, quand on dit nos conditions de vie, c'est celle de nos concitoyens, c'est celle de l'ensemble des habitants de la planète, sans bien évidemment continuer à dégrader et à mettre en danger la vie humaine, parce que si la planète continue sur sa trajectoire, clairement, c'est la vie humaine qui va être remise en cause. Alors, j'en profite pour, toujours Vincent, pour te poser une petite question que je reçois là, de la part d'Alix Boulot, qui demande sur la question très intéressante de l'évitement fiscal par les multinationales. Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que la productivité du travail pourquoi la productivité du travail est impactée de 3,5% dans l'étude menée? Donc, je ne sais pas si en quelques mots, tu peux revenir sur ce point. Oui, en quelques mots. Donc, clairement, lorsqu'on est une multinationale et donc on a différentes filiales dans différents pays et qu'on fait des investissements, par exemple, j'achète un logiciel qui va me permettre de gérer mes comptes clients, mes machines ou quoi que ce soit, c'est la filiale, l'entreprise en France qui réalise l'investissement, qui paye cette consommation intermédiaire. Les autres en bénéficient. Elles ont donc moins de dépenses parce qu'elles n'ont pas payé pour ce logiciel, et donc les bénéfices qui sont réalisés sur la base notamment de ce logiciel ou de ces bases de données, des droits de propriété intellectuelle, sont comptabilisés dans la comptabilité de l'entreprise, sont comptabilisés dans les pays à faible fiscalité, ce qui permet que les bénéfices soient moins taxés. Donc clairement, avec ces actifs immatériels, l'optimisation fiscale est plus facile, parce que ces actifs immatériels, on ne peut pas dire ils sont localisés où. C'est différent d'une usine, par exemple. Une usine, on peut dire, voilà, elle produit en France, donc la valeur ajoutée est comptabilisée en France. En revanche, la gestion de ces bases de données, la gestion des droits de propriété intellectuelle peuvent être déplacées de manière à ce que les profits soient localisés dans les circonscriptions fiscales à faible taxation. Et clairement, donc, c'est des comportements qui sont, là pour le coup, l'analyse a été menée dans différents pays, est robuste, et montre que, effectivement, les entreprises jouent sur cette possibilité. Et quelque part, il est difficile d'imaginer que si elles en ont la possibilité, qu'elles ne le fassent pas, parce que leurs concurrents le font, et donc si elles ne le font pas, elles vont finir par se faire éliminer. Oui, et c'est la différence entre l'optimisation fiscale, justement, et la fraude. Là, l'optimisation, c'est tout à fait légal. Donc. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Parce que je peux aussi passer... est-ce que certains d'entre vous ont envie de poser une question en direct? Oui, en plus, vous êtes tout au fond, donc je vais un peu sortir du côté conventionnel pour vous donner la parole. Ça sera sans doute la dernière question, sauf s'il y en a d'autres. Bonjour. Déjà, je m'excuse d'être arrivé en retard, donc j'ai peut-être raté l'objet de ma question. C'est tout simplement par rapport à la crise de Covid et, on va dire, les grandes tendances généré par cette crise par rapport aux transformations de la productivité de la totalité des facteurs de production dans les différentes économies. Même si je suis bien conscient de la difficulté méthodologique d'interprétation des données que vous soulignez, voilà, je pense que je suis intéressé par, si ce n'est vos conclusions, au moins vos intuitions. Qui veut répondre à cette question ? Un économiste, malgré tout, il n'est pas sûr de lui, mais quand vous le tendez un micro, il n'y a pas de problème pour parler.
Non, mais je pense que c'est un champ de recherche et d'analyse qui va être fascinant pour les années à venir, parce qu'on a vraiment l'impression que les entreprises ont été forcées massivement, toutes, enfin en très grande partie, de faire beaucoup d'investissements, notamment en technologie digitale, de façon à pouvoir rester en activité pendant les périodes de confinement successifs. Et ça, ça va être un choc qui va être extrêmement important à regarder. Combiné avec un choc sur les pratiques managériales qui est aussi d'ampleur non connue. Et donc certains de mes co-auteurs, en particulier Louis, alors bon, qui ne travaille plus tellement là-dessus en ce moment, mais avaient l'intuition que peut-être l'une des causes possibles des différents paradoxes de la productivité, c'était que les pratiques managériales étaient probablement complémentaires d'investissements en technologie et que les entreprises n'arrivaient pas à capter quelles étaient les complémentarités pertinentes et n'arrivaient pas donc à atteindre le plein potentiel des investissements physiques qu'elles réalisaient. Et là, on a peut-être une situation dans laquelle les entreprises ont été guidées réglementairement, on va dire, et ont fait un investissement massif dans deux composantes différentes. Et moi, pour être tout à fait honnête, je pense que ça va être quelque chose de très, très intéressant à regarder, en fait, dans les différents secteurs. Oui. Télétravail, oui, j'ai parlé du télétravail. E-commerce, enfin énormément de choses, structuration de la chaîne de valeur par une augmentation massive du recours aux échanges d'informations digitales, etc. Et d'ailleurs, il y a une vraie question sur est-ce que le télétravail augmente ou diminue la productivité. Enfin, je veux dire, on est vraiment. Alors, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est malheureusement l'heure. Donc, merci à tous de votre écoute et bonne journée.
seul, c'est dit. Oui, il faut la mettre. 1, 2, 1, 2. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va commencer doucement pour tenir les timings parce que c'est quelque chose qui est important pour les GECO avec la succession de rendez-vous qu'il y a. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Cocagne, je suis journaliste à la radio RCF Lyon, rédacteur en chef de la rédaction locale de cette radio associative chrétienne qui est hébergée dans les murs en fait à l'UCLI. Donc j'ai descendu quelques étages pour venir présenter cette table ronde. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. On va avoir un sujet très intéressant et vaste, avec quatre interventions qui seront denses et riches. On va également assister à une émission de radio, puisque en fait, cette table ronde sera captée et sera diffusée sur l'antenne nationale de RCF, a priori la journée du 12 novembre. Si vous êtes intéressés, on surveille les réseaux sociaux en fait, de RCF Lyon ou de RCF pour avoir l'horaire précis. Ce qui va avoir pour conséquence qu'on aura d'abord une heure avec les intervenants sans prise de parole, sans questions. Et après, on aura véritablement une demi-heure de questions-réponses. A priori, on fera tourner un micro et ces questions-réponses en fait, ne seront pas diffusées à l'antenne. Donc voilà, si vous voulez réagir, il faudra patienter un petit peu au bout d'une heure. Et puis ensuite, on vous fera passer le micro et on vous donnera la parole. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que je ne sais pas s'il y a un top qui est donné ou particulièrement ? On va dire qu'on peut y aller, on me fait signe. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde des journées de l'économie à Lyon, intitulée « Que se passe-t-il après la crise ?» Elle est enregistrée depuis l'amphithéâtre Alain Mérieux de l'Université catholique de Lyon. Alors, que se passe-t-il après la crise sanitaire, bien sûr, mais que se passe-t-il après les crises de façon générale? C'est ce que l'on va voir avec nos intervenants. Nous allons convoquer de nombreuses sciences humaines pendant une heure autour de cette table. Économie, évidemment, mais aussi histoire, droit et même théologie à travers la lecture de la Bible. Alors, quatre intervenants autour de moi pour cette émission table ronde. Tout d'abord, celui qui nous reçoit aujourd'hui dans son université, on va dire ça comme ça. C'est le recteur de l'Université catholique de Lyon, le père Olivier Artus. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, on ira notamment puiser des ressources dans la Bible hébraïque, des exemples de crises de société et comment elles ont été surmontées. Il y a des choses assez intéressantes qui peuvent nous éclairer aujourd'hui et c'est ce que vous allez vous attacher à faire. À vos côtés, votre frère s'appelle Patrick Artus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, conseiller économique de Natixis, professeur à l'École d'économie de Paris, et vous êtes également membre du comité scientifique de ces journées de l'économie. Alors avec vous, ce sera une lecture plus contemporaine, hein. On ne sera pas au moins 500 avant Jésus-Christ. On va essayer d'y voir plus clair dans ce que nous sommes en train de vivre véritablement aujourd'hui dans nos sociétés européennes et puis à l'échelle de l'économie globalisée. On verra que si les attentes d'un monde d'après étaient élevées au tout début de la crise, eh bien finalement la réalité est bien plus proche du monde d'avant, à certaines nuances près, et c'est ce qu'on verra avec vous. Il y a également certains processus déjà à l'œuvre qui ont été fortement accélérés, on verra comment ça fait muter notre économie. Également présente avec nous Stécie Tétard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes docteur en droit, maître de conférences et enseignante-chercheur à l'UCLI, directrice pédagogique du master droit de l'enfant et des personnes vulnérables à l'Institut des sciences de la famille. Et vous avez choisi de nous parler de la crise du Covid à travers une question particulière, c'est celle des violences intrafamiliales. On va voir qu'il y a eu beaucoup de conséquences, des violences entre différents membres d'une même famille. Et évidemment, les différents confinements ont parfois conduit à des huis clos où la violence a pu s'exercer de manière plus intense. Mais ça a aussi peut-être permis une protection mieux prise en compte, et c'est ce que l'on verra avec vous. Et puis, quatrième intervenant, il s'agit de Pierre Dauquès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur honoraire d'économie à l'Université Lumière Lyon 2, chercheur rattaché à l'équipe de recherche Triangle. Et nous allons comparer avec vous notre crise sanitaire à d'autres vécues bien plus tôt.
carrément aux différentes épidémies de peste. On verra quelles résonances, en fait, même à plusieurs siècles d'intervalle, il peut y avoir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage consacré à cette question qui s'appelle « L'économie des grandes épidémies, de la peste à la Covid-19 ». C'est sorti chez Odile Jacob en début d'année. Alors, vous connaissez donc la grille de lecture que l'on peut souvent appliquer quand on étudie une crise. On parle d'une crise disparition ou bien d'une crise mutation. Alors tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, l'un des points les plus récurrents dans toutes les interventions que j'ai pu avoir avec vous pour préparer cette table ronde, c'était de voir à quel point une crise accroît les inégalités. Elle renforce les plus forts et précarise encore plus les plus faibles. Et ça, on constate à travers très bien à travers ce que nous traversons aujourd'hui. Alors Patrick Artus, j'aimerais commencer avec vous. Tout d'abord, ces inégalités qui croissent, qui augmentent avec la crise sanitaire aujourd'hui, on peut le voir notamment entre les pays, d'un côté les pays de l'OCDE, les pays riches, les pays du Nord, et de l'autre côté les pays émergents, les pays du Sud. Oui, vous avez raison, il y a deux dimensions. Il y a la dimension entre pays, puis je dirais un mot quand même de la dimension interne au pays, parce qu'ici aussi il y a des surprises. Alors entre les pays, il n'y a pas énormément de surprises, puisque les pays les plus pauvres sont des pays où d'une part les infrastructures sanitaires sont défaillantes. Il y a peu de lits d'hôpitaux, il y a peu de médecins, il y a peu de capacité à vacciner, et où, d'autre part, on n'a pas la capacité à faire les politiques économiques qui ont été mises en place dans les pays de l'OCDE. Tous les pays de l'OCDE ont fait la même politique, ils ont fait d'énormes déficits publics, et ils ont fait financer ces déficits publics par la Banque centrale, qui achetait les dettes et payait en créant de la monnaie, donc ce qu'on appelle la monétisation des dettes publiques. Tout s'est passé comme si on avait simplement émis une énorme quantité de monnaie pour la distribuer à tous ceux qui étaient touchés par la crise. Vous pouvez faire ça aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Vous ne pouvez pas faire ça dans un pays émergent, d'abord parce qu'il n'y a pas une capacité d'épargne qui permet de placer une forte quantité de dettes, et d'autre part parce que si vous créez beaucoup de monnaie, la devise du pays va s'effondrer. Il y aura une hémorragie de capitaux, les résidents mettront toute leur épargne en dollars, par exemple, et vous aurez un effondrement du taux de change. Donc les pays émergents, et puis troisième complication, et ça c'est ce qui se passe en ce moment, on a une forte hausse des prix des matières premières, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est une des conséquences inattendues de la crise, qui évidemment est très bonne pour certains pays émergents et très mauvaise pour d'autres pays émergents. Alors vous voyez que le cas le plus affreux, c'est le pays émergent avec une capacité sanitaire faible, l'incapacité à mettre en place un déficit public ou à le monétiser par la Banque centrale, et qui en plus est importateur de matières premières. Donc, prenez deux exemples aujourd'hui, le Liban et Madagascar. Ils sont des pays dans une situation totalement désastreuse, où il y a des crises, et même une crise alimentaire. Voilà. Donc, et à l'inverse, vous avez des pays, les pays de l'OCDE, s'en tirent surprenamment bien. On est, dans toutes ces rencontres au GIECO, on a beaucoup débattu du fait que la situation économique des pays de l'OCDE était aujourd'hui meilleure qu'avant la crise, ce qui n'est évidemment pas le cas si vous allez dans les émergents pauvres. Donc ça, c'est pour la composante internationale. Ça nous amène une vraie réflexion. Je veux dire, la résilience, puisque utilisons ce mot que tout le monde utilise, la résilience d'un émergent pauvre face à un choc de ce type est extrêmement faible, en fait, alors que la résilience d'un pays OCDE riche est extrêmement forte. Alors, second sujet, je termine rapidement là-dessus, ce qui se passe à l'intérieur des pays. On s'attendait à une forte hausse des inégalités de revenus qu'on n'a pas du tout. Dans le cas français, on a des données très précises de l'INSEE. Les inégalités de revenus se sont réduites pendant la crise. Alors, ce n'est pas par les salaires, c'est par les transferts publics. Les transferts publics ont quand même été ciblés sur les ménages les plus modestes, dont le revenu a augmenté plus que ceux des ménages les plus riches, et dans tous les cas, dont le pouvoir d'achat a continué à augmenter. Donc, on a une baisse des inégalités de revenus. Alors, au début de la crise, on a eu de gros problèmes, ce qu'on a appelé un peu vulgairement les trous dans la raquette de la protection sociale. Les indépendants, un certain nombre d'artisans, les gens qui avaient créé leur entreprise récemment, voilà. Mais on a assez vite bouché les trous par des programmes publics qui sont adaptés à la réalité et ont assez rapidement couvert la très grande partie de la population et des entreprises. Donc finalement, aujourd'hui, nous avons moins d'inégalités de revenus qu'au début de 2020, ce qui est quand même assez étonnant. Par contre, nous avons énormément plus d'inégalités patrimoniales. Alors, je prends juste 30 secondes pour expliquer le mécanisme. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, fait des déficits publics. On les a financés par la création de monnaie.
Et cette énorme quantité de monnaie dans un environnement de taux d'intérêt bas a fait énormément monter les cours boursiers. Vous avez vu que le CAC vient de passer au-dessus de son plus haut historique d'avant la crise des subprimes. Les cours boursiers, les prix de l'immobilier, la valorisation des entreprises. Et donc, on a des personnes qui sont devenues très riches pendant la crise. Et évidemment, c'est tous ceux qui détiennent des patrimoines. Et ceux, par exemple, qui doivent acheter un logement sont appauvris parce qu'ils vont le payer plus cher. Donc, notre problème d'inégalité en sortie de crise, c'est un problème d'inégalité patrimoniale, pas un problème d'inégalité de revenus. Et ce n'est pas exactement la réflexion qu'on avait au début de la crise. Et effectivement, cette inondation monétaire, on va voir quelles conséquences ça a. Et puis, il y a aussi le paradoxe que peut-être le pouvoir d'achat a augmenté, mais finalement, l'impression qui reste et que ben, le pouvoir d'achat baisse, notamment sur une certaine catégorie de biens, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, petit regard dans le rétroviseur avec vous, Pierre Dauquès, parce que finalement, on va convoquer un peu l'histoire et l'histoire économique avec l'épidémie de la peste, enfin les épidémies de peste, parce qu'il y en a eu de nombreuses et plusieurs. Sur la question des inégalités, qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Qu'est-ce que révélait la peste? Est-ce qu'elle a accéléré des processus déjà à l'œuvre? Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, oui. C'est assez clair que toutes les grandes épidémies, et en particulier les épidémies de peste ou de pseudo-peste, ont, pendant l'épidémie, fortement renforcé les inégalités devant la mort. Ça apparaît dès la peste d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est extrêmement net dans toutes les grandes épidémies qui suivent. C'est net pendant la grande peste noire de 1347 à l'échelle mondiale. Et c'est très net dans les épidémies de peste du 17e et du début du 18e dans les villes comme Marseille, Naples, Londres, Lyon. Et tout. On voit chaque fois que ce sont les plus pauvres et les quartiers les plus pauvres qui sont touchés. C'est devant la mort et même après la mort, si on peut dire, parce que la façon dont sont enterrés et les cérémonies autour de la mort pour les plus riches se maintiennent plus ou moins, alors que les pauvres sont jetés par pelletée dans des fosses communes. Donc la différence est extrêmement nette entre les catégories. Mais la question qui est intéressante aussi, c'est de se demander ce qui se passe sur les inégalités après. Et les choses peuvent être extrêmement différentes. Par exemple, après la grande peste noire de 1347-49 et les répliques qui viennent dans les années ou décennies qui suivent, entre un tiers et la moitié de la population mondiale disparaît. Et alors qu'on était arrivé au début du XIVe siècle, dans ce qu'on appelle un monde plein ou un monde trop plein, à la suite d'une croissance démographique et économique d'ailleurs, pendant les deux siècles précédents, le monde plein, à une époque où c'est l'agriculture qui est évidemment l'activité essentielle, ça signifie que toutes les terres sont occupées et qu'on a mis en culture, comme on l'a dit, jusqu'aux rochers. Les essarts, c'est-à-dire les défrichements, sont arrivés au maximum et les terres très peu fertiles, donc avec des rendements très faibles, sont mises en culture. Et par conséquent, on le sait bien, et surtout depuis Ricardo, à mesure qu'on met la terre des terres marginales de moins en moins fertiles en culture, on voit que la rente foncière augmente. Donc les rentes sont très élevées et les propriétaires fonciers, par conséquent, récupèrent une fraction très importante de la valeur ajoutée. Alors, quand on a bien cette vision d'un monde plein, trop plein, par rapport aux techniques de l'époque, hein, bien entendu, le fait qu'une fraction importante de la population disparaisse
a permis de réduire considérablement les terres en culture, d'abandonner les mauvaises terres, de faire des domaines plus importants et de faire intervenir des économies d'échelle. L'un dans l'autre, la paysannerie a été la grande gagnante. Et après la peste, comme il n'y avait plus de travailleurs, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, les propriétaires fonciers, les entrepreneurs agricoles de l'époque, si on peut dire, ont cherché à trouver des travailleurs, aussi bien se faisant concurrence pour avoir des travailleurs. Donc il y a eu une forte augmentation des salaires nominaux d'abord. Et puis, en même temps, les statuts des travailleurs se sont considérablement améliorés. Et sur le servage, c'est l'époque où le servage va diminuer, parce que les propriétaires fonciers sont obligés de donner des conditions beaucoup plus favorables aux paysans, aux laboureurs, etc. Et enfin, cette amélioration considérable de la situation de l'immense majorité du peuple, aussi bien les manouvriers que les laboureurs, etc., va susciter, après un certain nombre de décennies, plusieurs phénomènes. D'abord des révoltes sociales, dans la mesure où il y a eu une réaction nobiliaire, pourrait-on dire, pour essayer d'éviter les conséquences des hausses de salaires. Les propriétaires fonciers ont obtenu de l'État qu'on mette en place des ordonnances, en particulier en Angleterre, l'Ordinance of Labourers, qui obligeait les salariés à travailler à des salaires égaux à ceux d'avant la peste. Finalement, alors, le rapport de force s'était inversé dû à la forte mortalité. C'est dû à la forte mortalité, au changement du rapport de force, finalement, entre les employeurs et les salariés. Face Mais à la pénurie ça de a eu une conséquence positive, c'est que l'amélioration de la situation de l'immense majorité de la population, la modification de la répartition avec la diminution des inégalités, baisse des rentes et hausse des revenus salariaux ou des travailleurs agricoles, enfin de la paysannerie, va permettre une évolution positive avec l'apparition dès le XVe siècle des débuts d'un premier capitalisme et un essor dû finalement à l'enrichissement réel de la population. Et une période de pré-renaissance, mais je vous propose qu'on J'ai même qu'on parlé garde... de pré-renaissance. Voilà, je vous propose qu'on en garde un petit peu pour tout à l'heure. On va changer d'intervenant, mais effectivement, ces crises qui nous poussent à de l'inventivité, c'est évidemment une partie qui va nous intéresser. Mais je vous propose de le faire dans un second temps, peut-être Pierre Dauquès. Avec vous, Père Olivier Artus, avant de parler de la Bible, peut-être un mot sur la Covid-19 et ses conséquences sur les inégalités dans une structure comme celle de l'université. Vous me disiez que vous avez constaté que finalement, à l'UCLI, parmi vos étudiants, ceux qui ont le plus souffert de la crise sanitaire sont ceux qui sont issus des classes sociales les moins favorisées. Oui, le vice-recteur chargé de la vie étudiante, qui est ici d'ailleurs, le docteur Olivier, a pratiqué des sondages successifs tout au long des confinements. Pour savoir comment allaient les étudiants, il y avait trois catégories. Donc 20% allaient mieux que d'habitude, ce qui est assez surprenant. Mais simplement, les conditions d'hébergement chez les parents étaient confortables et finalement, les conditions d'études presque plus sympathiques qu'à Lyon. 60% étaient avec des hauts et des bas, comme nous tous, je dirais, et 20% allaient très mal pour trois raisons. Premièrement, la fin des ressources financières du fait des petits boulots exercés pour financer les études. Les restaurants et les bars avaient fermé, comme vous le savez. Deuxièmement, la
solitude dans un espace restreint de 8-9 mètres carrés, ou troisièmement, la domiciliation dans un département rural mal couvert par le numérique, avec un accès impossible, au fond, à un enseignement à distance. Donc, au fond, on voit les deux 20% extrêmes montrent une accentuation d'un côté des bonnes conditions de vie et d'études, et de l'autre, une accentuation des conditions difficiles de suivi et d'études. Alors, bien entendu, après ça, une institution comme la nôtre met en place des dispositifs d'aide financière et de tutorat, mais il y a eu quand même, effectivement, dans ce domaine-là aussi, une amplification, je dirais, des écarts sociaux. Et la question de l'éducation aussi et des inégalités d'éducation se pose aujourd'hui, on verra peut-être ça avec vous, Patrick Artus, dans l'après et le monde d'après pour tout ça. Alors, voilà pour le focus sur aujourd'hui, mais vous, Père Artus, vous avez choisi de regarder encore plus dans le rétroviseur. On est à moins 500 avant Jésus-Christ, à travers l'exemple de la chute de Babylone dans la Bible hébraïque. Pourquoi convoquer un tel écrit pour lire la crise d'aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est le rétroviseur, puisque vous êtes dans une université catholique et que l'Écriture sainte est une ressource permanente, je dirais, de notre réflexion? Mais de fait, le texte de la Bible hébraïque est intéressant, puisque la Torah, les cinq premiers livres, sont écrits en gros entre le 6e et le 4e siècle, et sont compris comme littérature de crise, c'est-à-dire comme tentative de redéfinition d'une identité politique, intellectuelle et économique, après une rupture absolue, qui est la destruction du royaume de Juda en 587 par les armées de Babylone, l'exil des élites à Babylone pendant au moins 50 ans, et un retour qui se fait en Judée et en Samarie, sous domination perse, avec des équilibres sociaux relativement différents. Alors, parmi ces différences, c'est effectivement le fait que c'est le pouvoir perse qui fixe les règles fiscales. On apprend ça en lisant Hérodote, c'est une source unique, donc pas absolument fiable, mais il semble qu'il y ait eu une importante réforme fiscale au 5e siècle, où les taxes ne sont plus fonction de la dimension des propriétés, de la taille de la récolte, mais de la dimension des propriétés. C'est-à-dire que j'ai une bonne ou une mauvaise récolte, ma taxe sera strictement identique, quelles que soient les conditions météorologiques. Si je suis un grand propriétaire, je peux assumer les variations, je dirais, de mes revenus. Si je suis un petit propriétaire, ce qui me reste à faire en cas de mauvaise récolte, c'est de vendre ma propriété, de devenir un travailleur à la tâche, ou même de me vendre comme esclave pour dette. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du texte biblique face à cette situation nouvelle, qui est la constitution de latifundia, pourrait-on dire, et la paupérisation des petits propriétaires qui tombent en esclavage. Alors, il y a trois mesures qu'on peut trouver dans le texte. Une première mesure n'est pas très originale, c'est la libération périodique des esclaves. Vous trouvez ça déjà dans le code de Hammurapi, en milieu mésopotamien, 1500 ans plus tôt. Et la Bible hébraïque est plutôt moins généreuse que le royaume de Hammurapi, puisqu'on libère les esclaves tous les 7 ans et plus tous les 4 ans. Deux autres mesures sont en revanche extrêmement innovantes. C'est une première mesure qui s'appelle la Shmita, qui est la remise périodique de toutes les dettes tous les 7 ans. Voilà. Tous les 7 ans, on déclare l'année de la Shmita, et ce jour-là, quels que soient les crédits dont je dispose, je les remets. Et donc l'argumentaire est un argumentaire de gratuité, parce que, au fond, on base l'argumentation sur une théologie de la création selon laquelle les biens me précèdent. Ils ne sont pas à moi, je les ai reçus. Et puisque je les ai reçus, je dois à mon tour entrer dans une économie du don qui passe par la remise de la dette. Et plus fort encore, c'est, vous trouvez ça dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, c'est la loi jubilaire. Tous les 50 ans, chacun se voit restituer le patrimoine qu'il avait éventuellement perdu, c'est-à-dire que la propriété n'est jamais définitivement aliénée. Et là aussi, l'idée, c'est que la répartition du patrimoine est en fait une répartition de type théologique. Et que, dans la mesure où le peuple est défini comme peuple de frères, les mesures techniques qui sont prises ont pour but d'éviter la désintégration sociale, c'est-à-dire de prendre les moyens de maintenir la fraternité. Alors, deux observations. Premièrement, est-ce que ces mesures ont simplement été des textes ou bien ont-elles été mises en pratique? Je pense qu'on est plutôt dans l'utopie sociale que dans la réalité, parce que le pouvoir perse est le pouvoir perse et c'est celui qui gouverne. Mais deuxième question quand même, est-ce que ces mesures peuvent avoir une certaine actualité? Je pense que l'idée même de la remise de la dette est une idée intéressante aussi pour penser au surendettement ou pour penser au déséquilibre nord-sud. Et le bibliste ne peut qu'être tenté de demander à l'économiste contemporain, au fond, qu'est-ce que ça donne des mesures pratiques de remise périodique des dettes, que ce soit pour les ménages surendettés ou que ce soit pour des pays du sud
de toute manière insolvable. Est-ce qu'il n'y a pas là une clé, au fond, d'une appréhension mondiale des conséquences de la crise ? Et un changement d'économie, on posera la question tout à l'heure, mais j'aimerais donner la parole avant tout ça à notre dernière intervenante, donc Stacy Tétard. Avec vous, c'est peut-être pas forcément la question des inégalités, mais en tout cas, c'est la crise comme mise en lumière des vulnérabilités, avec cet exemple des violences intrafamiliales, et vous vouliez parler notamment des faits, c'est-à-dire du prisme statistique. Oui, alors... Il y a quand même une idée d'inégalité parce qu'on se rend compte que l'inégalité entre les hommes et les femmes est aussi à l'origine de certaines violences intrafamiliales, pas toutes, mais certaines au moins. Et d'ailleurs, on a une recommandation du Parlement européen au début du mois d'octobre qui montre les carences de la protection des femmes et des inégalités encore prégnantes entre les hommes et les femmes. Donc c'est vrai qu'en toile de fond des violences intrafamiliales, on a cette idée d'inégalité. Mais ce qui ressort véritablement des violences intrafamiliales, c'est l'idée de vulnérabilité. C'est le plus vulnérable face au un peu moins vulnérable, puis si on part du principe que tout homme est vulnérable, homme avec un grand H évidemment. Donc voilà, c'est l'idée de mettre en lumière ces vulnérabilités. Et effectivement, on a des chiffres. Et on n'a pas toujours des chiffres. Là, on en a, puisque le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a publié en mois d'avril 2021 un rapport sur les chiffres de l'année 2020. Alors, c'est un rapport qui concerne la délinquance en général, donc ce n'est pas ciblé spécifiquement sur les violences intrafamiliales. Mais elle ressort de manière assez atypique, puisque on s'est rendu compte que avec les confinements, avec les couvre-feux, donc avec finalement les mesures prises pour préserver la population pendant la crise sanitaire, la délinquance et les actes violents à l'égard des personnes ont chuté. Si je prends un exemple, pour les coups et blessures volontaires, on a une chute de 7%, ce qui n'était jamais arrivé dans les années précédentes. On avait toujours été en constante hausse de ces actes violents. Là, on constate une baisse. Donc on est bien d'accord, c'est des violences dans l'espace public, on va dire. Dans l'espace public. Dans le cadre familial, et c'est ce qui ressort de ce rapport, on voit à l'inverse une hausse de plus 9% des violences intrafamiliales. Et c'est ce qui fait qu'on a un chiffre à peu près à l'équilibre par rapport aux autres années. Mais on identifie bien une baisse des violences en général, par contre une hausse assez importante des violences intrafamiliales. C'est ce que vous disiez en introduction, là où les confinements, les couvre-feux ont permis de tenir à l'écart finalement les auteurs potentiels, des victimes potentielles. Dans le cadre familial, on a contraint à cohabiter l'auteur et la victime, que ce soit le conjoint ou les enfants. Donc effectivement, cette crise, alors elle n'a pas, je crois qu'elle n'a pas permis de prendre conscience des violences intrafamiliales, parce qu'on en avait déjà pris conscience avant. On a notamment eu des lois en 2019, tant pour protéger les enfants que pour protéger les conjoints. Donc c'est pas la crise qui a révélé ça, par contre ça l'a mis en lumière, la crise a été un catalyseur de ces violences intrafamiliales et d'un besoin urgent de renforcer l'existant. Et effectivement ça a révélé les carences du système de protection, notamment en France. Hein. Complètement, puis on a regardé un petit peu aux alentours aussi, on a regardé autour de nous et on s'est rendu compte qu'on s'en sortait pas mieux que les autres, voire parfois un peu moins bien, alors en regardant de manière assez proche et notamment avec un pays qui est souvent pris en comparaison qui est l'Espagne, où il y a une vraie politique de protection que ce soit des conjoints ou que ce soit des enfants. Alors c'est assez ciblé sur les violences conjugales, mais on voit que les chiffres sont très bons et qu'ils sont de plus en plus bon. C'est vrai qu'on se rend compte que nous, on a mis des choses en place. C'est ce que je disais, avant la crise, on avait déjà réfléchi, on avait déjà renforcé notre arsenal juridique. Notamment, on a eu une loi très importante du 28 décembre 2019 sur la protection des victimes de violences conjugales. Et là, on est vraiment allé plus loin qu'on l'avait été jusqu'à présent dans cette loi qui, finalement, fait suite au Grenelle sur les violences conjugales de 2019. Et aux mouvements sociaux qu'on a connus et qui ont peut-être aussi accéléré les choses. Et dans cette loi, on voit bien qu'on a tout renforcé. On a notamment renforcé les ordonnances de protection, qui sont un outil juridique extrêmement
protecteur pour les victimes. On a renforcé, enfin, on a accentué les cas dans lesquels on pouvait avoir des téléphones grave danger. On a inséré dans notre droit la possibilité d'avoir des bracelets anti-rapprochement, donc faire appel aussi aux nouvelles technologies pour mieux protéger. Donc ça date pas de l'après-crise, ça date de l'avant-crise. Sauf que finalement, on s'est rendu compte que c'était insuffisant, mais c'était insuffisant au niveau national. Nous, on a fait notre propre constat et on a réalisé qu'on n'était pas allé assez loin et pas suffisamment loin dans ce qui avait été mis en place en 2019. Mais au niveau international, le constat est le même. C'est-à-dire que notamment les entités européennes, reconnaissent aussi qu'on a besoin d'aller encore plus loin dans la protection des victimes de violences intrafamiliales. Juste rapidement, ordonnance de protection, on est d'accord que c'est bien l'idée qu'un juge peut ordonner une protection rapide, et ça se met en place rapidement pour les femmes victimes de violences, par exemple, qu'elles soient éloignées physiquement de leur agresseur. Exactement. C'est un outil qui va permettre au juge aux affaires familiales d'ordonner l'éloignement. Alors maintenant, c'est l'éloignement du conjoint violent. Avant, donc, depuis 2019, on nous dit clairement c'est la victime qui doit rester dans le domicile conjugal. Avant, c'était le juge qui décidait si c'était soit l'un, soit l'autre. Maintenant, on nous dit la victime reste dans le domicile conjugal et on éloigne le présumé auteur. Parce que l'ordonnance de protection, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de condamnation, on n'a même pas besoin de dépôt de plainte pour demander une ordonnance de protection. Et depuis 2019, elle doit être prise dans les 6 jours de la demande. Donc on est sur des délais extrêmement courts, parce qu'il faut aller vite. Donc ça fait bouger les lignes. On en vient petit à petit à comment la crise fait bouger les lignes. Avant de venir véritablement à la réponse face au constat et l'inventivité, parfois politique, parfois sociale, j'aimerais revenir à l'idée de la convocation de l'histoire et finalement l'exemple de la peste. Ce qui est intéressant, Pierre Dauquès, c'est que déjà au Moyen-Âge, finalement, la question du complotisme, la question des fake news était déjà là. Ça fait véritablement écho à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Bien sûr, si on regarde les comportements, on peut trouver des comparaisons entre toutes les épidémies, y compris l'épidémie de la Covid que nous connaissons. Parmi ces comportements, pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire et sur l'évolution des situations familiales, une des grandes constances pendant ces épidémies, c'est l'anomie. L'anomie, c'est le terme qu'emploie Thucydide, que j'ai déjà cité, donc 5 siècles avant notre ère. C'est-à-dire, selon les termes qu'il emploie lui-même, c'est on ne craignait plus ni les lois, ni les dieux. D'où des comportements à la fois immoraux, à tous les niveaux, et criminels. Et en même temps, pendant toutes ces épidémies, les liens familiaux se dissolvent. Et s'il y a quelque chose qui revient tout le temps, au point qu'on peut penser aussi que c'est un topos parce que tout le monde se recopie tous les uns les autres, c'est l'idée que le père fuyait le fils, que le fils fuyait la sœur, qu'on n'avait plus d'amis. Et ça, c'est une autre forme de dissolution des liens sociaux. Alors, pour revenir plus directement à votre question, mais aussi sur ces phénomènes de comportement, aussi bien individuels que collectifs ou qu'institutionnels, ce qui est caractéristique pendant toutes ces épidémies, c'est l'importance de ce qu'on appelle des fake news, l'importance des rumeurs, les croyances. Je dirais des croyances incroyables. Les épidémies sont dues aux comètes, sont dues à la conjonction des astres. Les signes avant-coureurs, c'est des nuages ayant une forme de cheval, ou tout d'un coup des rougeurs, etc. Bon, on voit ça. On voit aussi des croyances qui se répandent sur les remèdes qu'on utilise. Et on a vu aussi avec la Covid
se répandre des idées très, très curieuses. Je me rappelle qu'il fallait fumer beaucoup pour pouvoir éviter la Covid. Eh bien, il se trouve que pendant l'épidémie de peste, il est très important de fumer, en particulier la pipe. Et Samuel Pettis s'est lui-même acheté une pipe et du tabac pour éviter la contagion. Et on faisait des fumigations ou des choses comme ça. Autre point, il y en a beaucoup, mais autre point, c'est la question des boucs émissaires. C'est net dans toutes les épidémies, le bouc émissaire change. Pendant la grande peste de 1347-49, la caractéristique, c'est les pogroms contre les Juifs, en particulier en Allemagne, dans la vallée du Rhin, dans l'Italie du Nord, qui sont considérés comme ceux qui répandent les poisons. Il y a des massacres considérables qui sont encore favorisés par des mouvements comme les flageoleurs, qui sont des mouvements millénaristes, des sectes diverses. Par la suite, on a gardé les Juifs comme boucs émissaires, mais ça s'est généralisé à d'autres. En 1720 à Marseille, Monseigneur Belsens pense que ce sont les protestants qui ont répandu la peste dans Marseille, ou les jansénistes. Les sorciers, surtout les sorcières, ont été aussi accusés. Tout le temps, tout au long du Moyen-Âge, on accuse aussi les lépreux. Et ce phénomène de bouc émissaire, on l'a trouvé, y compris dans nos pays occidentaux, sous une forme heureusement très modéré, mais dans d'autres pays, ça a été extrêmement grave, extrêmement violent. On peut penser à l'Inde, au Pakistan, etc., etc., où il y a eu des accusations contre ceux qui répandaient la Covid et qui étaient évidemment les autres, ou les vagabonds. Les vagabonds sont toujours considérés comme dangereux. Et la première chose qu'on fait, c'est fermer les villes à l'arrivée des étrangers, à l'arrivée des... Ça a renforcé la xénophobie et la peur de ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants. Et d'ailleurs, au tout début de la crise, on se souvient, en mars 2020, certains ne voulaient plus manger chinois parce que le virus serait venu de Chine. Ou ne voulaient plus fréquenter des personnes asiatiques de peur d'avoir le coronavirus. Il y a eu des lynchages. Il y a eu des... Même dans des pays voisins, il y a eu des lynchages. Bon, évidemment, on ne retrouve pas des pogroms comme à Strasbourg en 1348, mais on retrouve tout le temps quelque chose du type bouc émissaire. L'autre est le responsable. Alors, évidemment, on peut changer. Dans les pays occupés, je pense à Naples en 1656, qui est occupé par les Espagnols, on accuse les soldats espagnols. On a accusé aussi les nobles, on a accusé un peu tout le monde. Et en tout cas, c'est un mécanisme qui se met véritablement en place. Un mécanisme qu'on retrouve assez systématiquement et qui peut revenir à tout moment. Justement, Patrick Artus, j'aimerais avoir... Parce que finalement, c'est ça la vraie question derrière notre rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est systémique dans chaque crise? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme point commun qui finalement peut nous aider à y lire plus clair dans ce qu'on vit aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'il y a des points communs entre ces crises aussi éloignées. Enfin, je crois plutôt qu'on s'est complètement trompé cette fois-ci sur les effets systémiques de la crise. Les crises antérieures du capitalisme moderne sont des crises très différentes, c'est les crises financières. 90, 2000, 2008, donc là, une crise d'une nature totalement différente. Et on s'est entièrement trompé sur ce qui allait être systémique. Donc, si vous regardez les débats du printemps 2020, donc il y a un an et demi, on nous avait dit que ce qui allait être structurant, finalement, dans la sortie de crise, ça serait la déglobalisation, c'est-à-dire l'idée qu'on allait réduire les échanges entre les continents.
pour une raison qui était soi-disant sanitaire, c'est-à-dire que la globalisation évidemment favorisait la transmission internationale des maladies, pour une raison qui était économique, c'est qu'on se disait que c'était l'occasion finalement de passer à des économies où on produisait davantage de biens nous-mêmes sans les faire venir des pays émergents. Donc on s'est dit que ça allait être une des choses centrales, hein, une sortie de crise avec une économie mondiale moins globalisée. Ce qui se passe est exactement l'inverse, hein, c'est-à-dire que l'économie mondiale est aujourd'hui en train de se surglobaliser. Les exportations de la Chine ont augmenté de 25% en un an, hein, pour des raisons qu'on connaît. C'est que quand on importe beaucoup d'électronique, par exemple, il y a une composante chinoise qui est non négligeable. Ensuite, on nous a dit, enfin, on avait tout un débat sur le fait qu'il fallait, alors ça rejoint votre premier point, il fallait lutter activement contre les inégalités, il fallait un capitalisme plus inclusif, il fallait tenir compte de toutes les parties prenantes des entreprises et pas seulement des actionnaires. Or, on l'a dit avant, il n'y a pas eu dans cette crise d'aggravation des inégalités de revenus, mais c'est à cause du rôle de l'État, hein. Et donc, si vous regardez le partage du primaire du revenu, il se fait de plus en plus de façon défavorable aux salariés. On a des taux de marge bénéficiaire des entreprises dans tous les pays qui sont les plus élevés depuis qu'on les mesure. En France, hein, au troisième trimestre, le taux de marge des entreprises est le plus élevé depuis 1949, qui est la première année. Donc on a au contraire un capitalisme qui est encore plus centré sur la distribution de revenus aux actionnaires. Et puis, alors, ce qui est structurant, sans doute, on pourrait en parler avec Pierre dans le passé, mais les structures sont très différentes, donc des économies à ces époques différentes, mais c'est l'augmentation du rôle de l'État. Alors, je crois que ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on ne s'est pas trompé. Hein. On a un État qui joue un rôle croissant. Alors, il a joué un rôle croissant dans la stabilisation de l'économie pendant la crise, hein, en distribuant du revenu aux entreprises, aux ménages en difficulté. Et on lui demande aujourd'hui de jouer un rôle croissant dans l'avenir, ce qui est quand même une composante, une conséquence de la crise. Donc on demande à l'État de s'occuper de la relocalisation de l'industrie, de la transition énergétique, de la sécurité, des jeunes, de la formation, de l'innovation, etc. Et donc c'est un rôle non seulement contracyclique, hein, c'est-à-dire tu t'es contre la crise quand elle se produit, mais c'est un rôle structurel de l'État. On demande à l'État d'en faire plus, finalement. Et alors, je ne sais pas, il faudrait qu'on discute avec Pierre de ce point. Est-ce qu'on voyait ça déjà? Est-ce qu'il y avait une demande de davantage d'État dans les crises du passé? On est dans des conditions si différentes que c'est difficile, sans doute, à comparer. Mais... Je fais juste une incidente. Dans les grandes épidémies de peste, dans les villes du XVIIe, XVIIIe siècle, on assiste effectivement à une montée fantastique du contrôle social, et jusqu'à l'État. Mais avant que ce soit l'État, ce sont les autorités locales. Mais dans la peste de Marseille de 1720, on voit effectivement le sommet de ce que Foucault a appelé les villes de la peste, c'est-à-dire des villes hyper contrôlés, avec des systèmes de contrôle qui font penser à ceux qui pourraient se mettre en place à l'occasion de notre crise Covid. Bien entendu, les moyens sont très différents. Ce sont ceux du monde d'avant, mais ça ressemble beaucoup à ce qui pourrait se passer en termes de contrôle social et finalement de capitalisme autoritaire. Et sur le rôle de l'État, finalement, on est passé outre complètement les dogmes du déficit. Là, tout a été battu en brèche. Oui, alors il y a deux composantes. Hein. Il y a la réaction à la crise pendant qu'elle a lieu. Donc là, on a arrêté totalement toutes les règles. On fait des choses qui auraient été jugées trois mois avant le début de la crise totalement infaisables. Un déficit public de 16% du PIB aux États-Unis, la quantité de monnaie aux États-Unis ou en Europe multipliée par deux en deux ans, enfin des choses qui paraissaient totalement ahurissantes quelques semaines avant la crise, on les a faites. Ça, c'est la partie 1. Et le consensus aujourd'hui, c'est que si une crise similaire se reproduisait, on le referait.
Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. On referait la même chose, déficit public, de la création de l'État. Mais après, il y a le, alors dans le rôle de l'État, il y a ce que dit Pierre, c'est-à-dire effectivement le contrôle social, le niveau le plus élevé en Chine aujourd'hui, par exemple, mais aussi la demande d'intervention de l'État dans l'économie, d'intervention de l'État avec l'idée que le secteur privé n'innove pas suffisamment, ne prend pas suffisamment de risques, n'investit pas assez aux bons endroits, ne prépare pas l'avenir. Donc on revient à une conception du rôle de l'État qui était celle de l'après-guerre, finalement, de la Seconde Guerre mondiale, où c'est l'État qui doit choisir les secteurs pertinents pour l'avenir, où c'est l'État qui doit faire beaucoup d'investissements, où c'est l'État qui doit s'occuper de favoriser les innovations, doit porter les risques pour décharger le secteur privé de davantage de risques. Alors ça pose des problèmes, mais c'est une demande mondiale. Vous voyez ça aux États-Unis, vous voyez ça en Europe, vous voyez ça au Royaume-Uni. Regardez, le Royaume-Uni, c'est un pays quand même très intéressant. On avait un pays qui est extrêmement libéral, où on continuait à annoncer des baisses de la pression fiscale, et tout d'un coup, inversion complète. Boris Johnson n'arrête pas de remonter les dépenses publiques, de remonter les impôts, de taxer davantage les profits. Enfin, donc vous avez l'inversion du rôle de l'État et ce qui va avec, la remontée de la pression fiscale, bien sûr, qui finance ce rôle de l'État. Voilà, on parlera peut-être tout à l'heure d'autres changements structurels. Je ne sais pas si vous voulez que je le fasse. Est-ce que j'ai 10 secondes pour répondre sur la dette, parce que c'est un point extrêmement important. Il y a un vrai débat chez les économistes. Alors, sur les pays émergents, aujourd'hui, on remet les dettes de façon routinière. Je veux dire, le Club de Paris, le Club de Londres, on fait des remises de dettes routinières, on fait des annulations complètes de dettes de pays, de pays pauvres. Enfin, ça, le débat entre économistes, il ne porte pas là-dessus. Alors, il y a deux débats, je veux dire, aujourd'hui. Il y a le cas chinois, parce que la Chine finance, en fait, les grandes infrastructures qu'elle construit, les fameuses routes de la soie, que les Chinois appellent Belt and Road, finance, en fait, par de l'endettement des États où elle construit les infrastructures. Et là, il ne semble pas que les Chinois aient l'intention de remettre cette dette à aucun moment. Donc on est en train d'assister à un surendettement d'un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique vis-à-vis de la Chine, qui n'est pas traité de la même manière que l'endettement de ces pays vis-à-vis de l'Europe ou des États-Unis ou des organisations internationales. Et puis le second sujet dette qu'on a eu, c'est un sujet interne à l'Europe, c'était le cas grec. Est-ce qu'on peut remettre la dette, alors pas d'un pays pauvre d'Afrique, mais d'un grand pays, d'un pays de la zone euro, d'un pays de l'OCDE? Est-ce qu'on peut... Et alors là, vraiment, le débat était assez vif. La position initiale de l'Europe était de dire qu'il ne fallait pas remettre la dette d'un pays comme la Grèce, parce qu'on mettait la main dans quelque chose qui jetterait le doute sur la qualité de toutes les dettes. Alors, j'ai une question pour toi qui est qui prêtait en sachant qu'il se ferait tout prendre 7 ans après, quoi, je veux dire. Donc si on avait les spreads de taux d'intérêt, peut-être qu'on regarderait. Je finis après. Et puis deuxième, et on a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position qu'on a eue vis-à-vis de la Grèce au début des années 2010, qui était non, baissez votre protection sociale, baissez vos retraites, baissez vos dépenses de santé, d'éducation et remboursez vos dettes, a complètement changé. Et aujourd'hui, le dogme est totalement différent. Aujourd'hui, il peut y avoir une remise de dette d'un pays européen ou d'un pays avancé, parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas tuer le niveau de vie d'un pays pour simplement qu'il puisse... Voilà, donc même sur les pays européens, aujourd'hui, en théorie en tout cas, il y a un truc qui s'appelle Collective Close Action, CAC, où on peut avoir... Il est en tout cas juridiquement possible et techniquement possible qu'on ait des annulations d'une partie de la dette des pays européens. Donc il reste le sujet de l'endettement des émergents vis-à-vis de la Chine qui devient un sujet extrêmement grave. Voilà, mais alors est-ce que qui prêtait en sachant que la dette serait annulée? Olivier, juste un mot. Il y a bien deux choses très différentes. La remise de dette possible, mais le dire à l'avance, c'est autre chose. Il y a un calendrier de remise. Et même chose alors pour la dette, puis même chose pour les propriétés, évidemment. S'il faut remettre tous les 50 ans, enfin X années, oui, et qu'on le dise, je ne sais pas moi, en 2000 ans, les comportements vont être fantastiques. Plus personne n'entretiendra sa propriété. Sauf si vous avez une société qui doit la donner. Une des très mauvaises idées qu'ils avaient. Ça explique peut-être l'effondrement de Babylone. Sauf si vous avez une société théologiquement informée où, au fond, la pression divine, la pression mentale de la foi est telle qu'on se dit, si je ne remets pas la dette, je suis maudit. Et le texte l'exprime de cette manière-là. Alors justement, Père Olivier Artus, sur une autre composante peut-être théologique d'une certaine façon,
Avec la création récemment ici même à l'UCLI d'une chaire sur la vulnérabilité, vous vous lisez aussi, quand on dit que se passe-t-il après la crise, c'est que au moins pendant, la crise est révélatrice aussi de la propre vulnérabilité de chacun, et ça c'est important. Alors on peut revenir effectivement de nouveau à ce moment de crise du VIe siècle où il y a un effondrement de Judas et la conséquence c'est une réflexion idéologique. Donc l'effondrement du politique, la monarchie disparaît pour toujours, et donc le corollaire de cet effondrement va être au fond une réflexion sur qui sommes-nous. Et donc il y a une inventivité théologique extraordinaire à ce moment-là, et cette inventivité conduit à un monothéisme exclusif qui n'a jamais existé auparavant dans la région d'Israël, et à une théologie de la création, c'est-à-dire qu'il y a une invention du monothéisme, une invention de la théologie de la création que l'on peut dater du début du Ve siècle. Alors, revenons à notre époque, et au fond, ce qui a un petit peu manqué, je trouve, dans la crise du coronavirus, c'est peut-être une réflexion philosophique, idéologique fondamentale sur qu'est-ce que ça veut dire, sur notre propre identité. Et le seul lieu où j'ai trouvé quand même ce type de réflexion, c'est le monde de la santé, c'est l'hôpital. Nous sommes assez liés avec l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc ici, et donc les médecins disaient, c'est extraordinaire dans cette crise, la population idolâtre l'hôpital. L'hôpital est perçu comme un lieu de toute puissance et de tout pouvoir, qu'il n'est évidemment pas, d'où l'idée de vulnérabilité. C'est-à-dire, au fond, les médecins se disaient, comment faisons-nous une pédagogie de la vulnérabilité de l'hôpital et comment faisons-nous une pédagogie de la vulnérabilité de la personne humaine? Et donc, il me semble que ce travail n'est pas vraiment fait, c'est-à-dire qu'on a éprouvé la vulnérabilité, mais il n'y a pas eu vraiment de réflexion fondamentale, organisée, collective, à l'échelle de la société, sur la collectivité des moyens mis à la disposition, sur la vulnérabilité des moyens mis à la disposition de cette collectivité et sur la vulnérabilité évidente de toute personne humaine qui est finalement mortelle. Et au fond, on voit que ce n'est pas vraiment venu au discours. Alors effectivement, ce type de question est traité dans une chaire vulnérabilité qu'on a fondée dans cette université. Stécie Tétard, sur la question des violences intrafamiliales, que se passe-t-il après aujourd'hui? Pour vous, on a vu tout à l'heure, vous nous avez dit, il y a plus de protection, etc. Mais là encore, peut-être sur la question de la vulnérabilité, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place, notamment une commission nationale sur l'inceste. Parallèlement, il y a eu aussi tout le travail fait autour de l'Église et de la libération de la parole. Alors ça, c'est parallèle à la crise sanitaire, mais il y a eu tout ça. Pour vous, cette crise que l'on est en train encore de traverser, elle est déclencheur, elle déclenche certaines choses sur les violences intrafamiliales et leur prise en charge? Oui, je crois. Je crois que cette crise, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette crise, elle a permis de se rendre compte que même si on œuvrait pour limiter les violences, pour mieux protéger, on n'allait pas suffisamment loin. On avait peut-être les bons outils, au moins en ce qui concerne les violences conjugales. Parce que si on regarde aujourd'hui, alors que ce soit violence conjugale ou violence à l'égard des enfants, l'actualité juridique est foisonnante. Au niveau national, au niveau international, on a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais on remarque deux mouvements un petit peu différents. C'est qu'effectivement, du point de vue des violences conjugales, on se dit, OK, on a les bons outils, mais par contre, on n'a pas mis assez de moyens pour les développer. On ne donne pas assez de moyens financiers à la justice pour déployer l'existant. Donc ça, il y a des prises de conscience. Le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux se sont prononcés récemment en disant on va augmenter le nombre de bracelets anti-rapprochement dans les juridictions. On va augmenter la possibilité de donner des téléphones grave danger. Par exemple, il est prévu que d'ici, pour le téléphone grave danger, il est prévu que d'ici début 2022, il y en ait 3000. Ce qui fait 65% de plus qu'aujourd'hui. Donc on voit qu'on va déployer de manière considérable l'existant. Par contre, pour ce qui est de la protection de l'enfant, là on est un peu plus dans l'innovation, on crée des choses. Parce qu'on avait des lois, on a eu notamment une loi importante en 2016 sur la protection de l'enfant. Mais depuis 2016, on a vu, et la crise a été aussi intéressante pour ça, de révéler que finalement l'enfant n'était peut-être pas assez protégé. Et du coup, c'est pour ça que depuis la crise, on voit de nombreuses commissions, des rapports et des lois
qui viennent renforcer la protection de l'enfant. Alors la loi, vous en avez parlé, il y a la loi du 21 avril 2021 sur la protection des mineurs pour tout ce qui est délits et crimes sexuels et la protection contre l'inceste. Et là, on voit qu'on a fait œuvre de création parce que c'est la première fois qu'on a véritablement des incriminations spécifiques dans le code pénal pour ce qui concerne le viol incestueux et les agressions sexuelles incestueuses. Avant, alors on avait déjà essayé de faire des choses, mais on avait bricolé. Jusqu'à 2021, on avait bricolé, c'est-à-dire qu'on était parti des textes, donc que ce soit le viol ou les agressions sexuelles, et on avait fait ce qu'on appelle des surqualifications, c'est-à-dire qu'on faisait de l'ascendance, de l'autorité que peut avoir une personne, autorité de droit ou de fait que peut avoir une personne sur un mineur ou l'âge de la victime, on en faisait soit des éléments constitutifs, soit des éléments, des circonstances aggravantes, mais on n'avait pas de véritable autonomie avec une véritable sanction attachée à ces infractions-là. Depuis 2019, c'est le cas. De la même manière, et toujours dans la même loi, on a prévu quelque chose d'innovant, c'est ce qu'on a appelé la prescription glissante ou la prescription en cascade. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la prescription glissante ? C'est le fait de se dire on a une victime à un instant T, donc mineure, qui est victime, par exemple, je vais prendre l'exemple du viol, qui est victime d'un viol. Elle a 30 ans pour agir à partir de sa majorité. Donc, ça veut dire qu'elle a jusqu'à ses 48 ans pour agir en justice. Donc ça, c'est le délai de prescription. Alors, pour le viol sur mineur, parce que sinon, c'est 20 ans pour les majeurs, eh bien, si le même auteur commet la même infraction 10 ans après, eh bien, ces 10 ans qui se sont passés pendant le délai de prescription vont s'ajouter au délai de prescription de la première victime. Donc, en fait, c'est pour permettre à des victimes qui seraient une victime parmi une série de victimes de profiter de la prescription jusqu'à la dernière victime. Donc c'est quelque chose de tout à fait innovant et on voit qu'on a véritablement fait œuvre de création dans ce cadre-là. Il nous reste assez peu de temps. J'aimerais terminer par un tour de table. Chacun, vous allez avoir 1 minute 30 pour peut-être mettre les points de vigilance, ce sur quoi il faudrait être vigilant dans les mois à venir et cette après-crise sanitaire, encore une fois, nous sommes toujours en train de la vivre. Patrick Artus. Oui, je vais partir sur quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé, qui est la numérisation de l'économie. Alors, on est une économie qui se numérise de façon extrêmement rapide. Télétravail, consommation en ligne, numérisation des entreprises, regardez ce qui se passe dans la distribution. Et ceci crée des vulnérabilités, hein, pour prendre le vocabulaire que nous avons choisi. Il y a d'abord la vulnérabilité aux attaques, hein, cybersécurité. Il y a beaucoup d'entreprises, quand on demande aux salariés quel est pour vous le risque le plus grand qui pèse sur l'entreprise, ils répondent que c'est le risque de cybersécurité. C'est quand même étonnant, quoi. Et puis, il y a une vulnérabilité sociale parce qu'on sait que ce type de progrès technique, hein, on l'a bien observé, amplifie ce mouvement de polarisation des emplois. C'est-à-dire détruit des emplois de type intermédiaire et crée des emplois très qualifiés, des gens qui conçoivent ces systèmes, et des emplois peu qualifiés, pensez, on en parlait déjà ce matin, Amazon. Et ça, c'est une vulnérabilité sociale, parce que vous détruisez les emplois intermédiaires et vous réduisez encore la mobilité sociale. Donc voilà, donc je voudrais attirer l'attention sur ces vulnérabilités qui vont découler de la numérisation très rapide de ces économies. Père Artus, pour vous, les points de vigilance ? Alors, premièrement, le risque de désintégration sociale lié à l'excès de disparité sociale entre les différents groupes qui forment la société. Et donc, au fond, voilà, un appel peut-être à une attention redoublée de l'État pour qu'il veille à éviter cette désintégration. Mais en disant cela, il ne faut pas sous-estimer le risque de discrédit du politique, hein, qui est quand même un risque relativement important aujourd'hui. Et au fond, alors, on n'est pas dans la situation d'Israël où voilà, la monarchie est renversée, on passera à d'autres systèmes de gouvernance, mais tout de même, enfin, on remarque quand même l'excès des critiques du politique, on est parfois un petit peu envieux des Allemands du fait du caractère plus pacifique du débat politique de l'autre côté du Rhin. Et puis, je pense, sur le plan anthropologique, peut-être une éducation à un plus grand consentement de la société et de l'individu à ses propres vulnérabilités qui sont évidemment inesquivables. Stécie Tétard. Alors, je crois que le point de vigilance, c'est de faire attention de ne pas aller trop vite, justement, de ne pas se précipiter.
je pense notamment aux lois, les lois se réfléchissent, doivent être mises en lien les unes avec les autres. On peut innover, mais il ne faut pas oublier ce qui existe, et il faut qu'on arrive à un schéma final cohérent. Pour illustrer mon propos, vous parliez tout à l'heure de la commission indépendante sur l'inceste, qui vient de faire trois recommandations, notamment, en vue d'une prochaine loi. Quand on lit on aura peut-être l'occasion d'en discuter au moment des questions, mais quand on lit les propositions, on voit que clairement, là où on mettait en évidence une inégalité mère-père, et ben là, on veut instaurer une inégalité père-mère. En fait, si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à une égalité, à se dire les parents doivent être traités, que ce soit le père ou la mère, ou la mère et la mère, ou le père et le père, peu importe, de la même manière. On se dit, bon, bah, il faut surprotéger les mères, donc ça se fait au détriment des pères. Ou parfois, on va dire, il faut surprotéger les pères, donc ça se fait au détriment des mères. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'alerte, c'est sur ces recommandations-là, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut réfléchir à partir de ce qui existe et prendre le temps véritablement pour faire une loi de cohérence. Et pour terminer, Pierre Dequès. Je pense que le danger, qui est assez courant d'ailleurs dans ce type de situation, c'est un danger de type Charybde et Scylla. Et il y a trois grandes crises dans lesquelles nous sommes plongés ou qui nous menacent. La crise environnementale et climatique, la crise sociale. Et il ne faut pas l'oublier, parce que 2008, ce n'est pas si loin, la crise financière. Et il faut à tout prix éviter que les solutions apportées à l'une de ces crises entraînent un accroissement des autres crises. Et en particulier, l'intervention de l'État avec la course à l'endettement pourrait avoir des conséquences sur des crises financières. L'endettement privé qui augmente considérablement pourrait aussi être lié à la crise environnementale et avoir des répercussions sur la crise sociale. La crise climatique, on parlait tout à l'heure, on parlait de l'augmentation du prix du carbone, a des conséquences, on l'a vu avec les gilets jaunes, et aura des conséquences sociales par la diminution du pouvoir d'achat. Donc, c'est un mécanisme très difficile qu'une de ces crises ou que l'attention portée à une de ces crises ne provoque finalement une autre crise. Maintenant, je termine juste en quelques secondes pour revenir un peu à l'histoire en matière de monde d'après. Patrick est intervenu sur finalement l'idée que les idées qu'on se faisait du monde d'après avant n'ont pas correspondu du tout à ce qui s'est passé. Je veux dire que pendant les grandes épidémies du passé, il y avait en particulier une conception du monde d'après qui est très particulière, puisqu'on pensait très majoritairement que l'épidémie, la peste, était une punition divine due au péché du peuple et des grands. C'était relié à l'idée que le monde d'après, dans une conception millénariste, serait ou pourrait être, après une situation d'apocalypse réelle, d'une situation apocalyptique pour de nombreuses sectes hétérodoxes, on entrerait dans le royaume du Christ pour 1000 ans. Et cette vision du monde d'après, elle non plus, ne s'est pas réalisée. Donc, il faut se méfier très profondément de ces visions millénaristes. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas si loin avec quelques discours des collapsologues qui, à la fois, nous prédisent l'apocalypse et envisagent un monde apaisé qui viendra après cette tragédie épouvantable, catastrophique, apocalyptique qu'on risque d'avoir. Bon, je m'arrête parce que c'est trop long.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir été nos intervenants aujourd'hui sur cette table ronde enregistrée à l'Université catholique de Lyon. C'était le jeudi 4 novembre dans le cadre des Journées de l'économie, une émission à retrouver en réécoute sur le site rcf.fr. Merci à vous. Alors voilà pour cette émission telle qu'elle sera diffusée. Maintenant, c'est le temps des questions et des réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro finalement qui va passer. Peut-être pas, mais on n'est peut-être pas très loin et on peut se les poser comme ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Oui. Qui va payer la facture, finalement ? Je crois que la batterie doit être morte. Oui, alors, voyez bien la mécanique. Hein. On finance des dépenses publiques supplémentaires qui sont absolument nécessaires. On les finance, en réalité, en créant de la monnaie. Parce que quand l'État émet une obligation, si deux jours après, elle est achetée par la Banque centrale qui paye en créant de la monnaie, tout se passe comme si on l'avait fait tout de suite. Quoi. Donc, on a décidé, collectivement, de créer une quantité énorme de monnaie pour financer. C'est ce que les économistes appellent la monnaie hélicoptère. Donc la Banque centrale donne de la monnaie à ceux qui ont besoin de revenus, donc aux ménages qui ont perdu leur emploi, aux entreprises et secteurs en difficulté, etc. Et ça marche très très bien, la monnaie hélicoptère, hein, parce que, vous voyez, personne sonne à votre porte, c'est le banquier central, il vous donne des billets, quoi, je veux dire, hein, faut voir, on a vraiment fait ça, quoi. Donc c'est très efficace comme technique de soutien de l'économie, c'est pour ça que les économies en réalité n'ont pas été en crise, hein. Et il faut, évidemment, vous avez raison, Jean-Baptiste, il faut se poser la question de la facture. Alors c'est très compliqué. Parce que la facture, c'est... Alors d'abord, on a eu le débat sur la dette qui a pas de sens, hein, puisque là, on n'a pas augmenté notre dette. Hein, on a augmenté de la monnaie. Hein, on a plus de monnaie. On n'a pas plus de dette qu'avant la crise, en réalité. Cette dette a été effacée par les banques centrales. Donc on n'a pas l'habitude de ce débat. On a l'habitude d'un débat sur l'excès de dette. Donc là, le point, je reviens sur notre discussion d'avant avec Olivier. Quand, je veux dire, quand on a trop de dette, on sait à peu près ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il faut éteindre une partie de la dette, soit rapidement, soit au cours du temps. Mais là, on a trop de monnaie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a trop de monnaie ? Eh bien, cette monnaie, elle se met à acheter des actifs spéculatifs. Donc, en fait, dans un article du Monde, j'avais expliqué ça en disant qu'on était en train de basculer dans l'économie de spéculation, hein, où la monnaie s'investissait dans des actifs qui pouvaient tout de suite avoir des rendements très élevés. Alors c'est quoi ? C'est l'immobilier, c'est les actions des sociétés technologiques américaines, c'est les bitcoins, c'est un certain nombre de matières premières. Donc on est en train de pousser nos économies vers des économies de spéculation. Ce qui est horrible, parce que l'économie de spéculation a comme caractéristique qu'on utilise l'épargne pour spéculer et pas pour fabriquer du capital, du bien-être, etc., et du revenu. Hein, donc voilà, donc la facture à payer, c'est ça, quoi. C'est le bitcoin à 65 000 dollars, donc c'est de l'enrichissement totalement immérité et une stérilisation d'une partie de notre épargne dans des actifs qui sont simplement spéculatifs. Alors cette conséquence qui est comme très grave, hein, je veux dire, de la politique, est très mal perçue, ben, mal compris, je veux dire, les grandes banques centrales n'en parlent pas. Vous n'entendez jamais une grande banque centrale en parler. C'est quelque chose qui est ignoré, je veux dire, quand on fait le bilan coût-gain des politiques menées, ce coût-là n'est jamais mis en avant. Alors juste un dernier mot pour ne pas être trop long, je reviens sur mon point du début et vous soulevez le point. Les pays de l'OCDE ont pu faire ça parce que leurs monnaies sont des monnaies de réserve. Donc quand la Banque centrale américaine ou européenne crée de la monnaie, cette monnaie est demandée de façon très importante, puisque c'est une monnaie internationale de réserve. Si vous êtes le Mali ou Madagascar ou le Liban, etc., vous ne pouvez pas faire ça, parce que personne ne veut de votre monnaie.
Donc si la Banque centrale crée de la monnaie, personne ne voudra détenir cette monnaie et vous aurez de la fuite devant la monnaie, des sorties de capitaux, exactement ce qu'on voit dans les pays émergents. Donc c'est un privilège des pays à monnaie de réserve de mener cette politique. Donc c'est une inégalité majeure. Hein. Il n'y a que les pays dont les monnaies sont des monnaies de réserve qui peuvent stabiliser leur économie dans des crises graves. Les autres n'ont pas cette arme. D'autres questions ? Oui, je suis d'accord avec vous. En réalité, c'en est. La monnaie hélicoptère, c'est très mal compris, parce qu'il y a beaucoup d'économistes, de gauche, hein, qui réclament la monnaie hélicoptère. Quand vous faites le chômage partiel, donc que l'État donne du revenu aux personnes qui sont en chômage partiel, hein, parce que leur secteur est en difficulté, et que ceci est financé par l'émission d'une obligation qui, à la fin, est achetée par la Banque centrale, tout se passe comme si on avait donné de la monnaie aux personnes qui sont au chômage partiel. Donc, à ce stade, c'est de la monnaie hélicoptère. Alors, vous avez raison, pour que ce soit complètement de la monnaie hélicoptère, il faut que cette opération soit irréversible. C'est bien dans la définition de la monnaie hélicoptère, c'est que la monnaie créée n'est pas une dette. Hein. Donc, il faut que la Banque centrale ne jamais détruise la monnaie qu'elle vient de créer ainsi. Honnêtement, la plupart d'entre nous sont persuadés que ça sera le cas. C'est-à-dire que cette monnaie ne sera jamais détruite. Et donc là, si c'est le cas, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas écrit que cette monnaie ne sera pas détruite. Mais si c'est effectivement empiriquement le cas, on a bien de la monnaie hélicoptère. Oui, mais peut-être qu'à l'échéance, ces actifs seront renouvelés par d'autres actifs, etc. La Banque centrale européenne n'a jamais réduit la taille de son bilan. Alors ça, c'est le point... Alors peut-être qu'il faut demander à Pierre ce qui s'était passé dans le passé. Enfin, il y a 50 ans, si on avait eu ça, on aurait dit le risque, c'est l'inflation. Mais il faut voir que depuis 30, 40, ou même plus, il n'y a plus aucun lien entre la quantité de monnaie et les prix. Le lien, vous l'avez entre la quantité de monnaie et les prix des actifs, par exemple les prix de l'immobilier. La raison, c'est que la monnaie, c'est que quand on vous donne de la monnaie, à la fin aujourd'hui, l'usage essentiel de cette monnaie, c'est un placement. Vous avez des gens qui achètent des actions, vous avez des gens qui achètent de l'immobilier. Alors dans les années 20 en Allemagne, pendant la grande inflation, quand les Allemands étaient payés, ils couraient acheter à manger. Donc, en fait, vous fabriquez de l'inflation des produits alimentaires. Mais aujourd'hui, non. Vous voyez qu'on achète regardez les ventes d'immobilier. Donc, on achète des maisons. Et comme on achète des maisons, cette monnaie, elle fait monter les prix des maisons. Oui, effectivement, les choses peuvent changer et ont changé. Si on prend les conséquences anciennes, il y a toujours eu une inflation sur les biens. Toujours. Bon, maintenant, les raisons pour lesquelles ça ne se reproduira peut-être pas, il faut être prudent, parce qu'actuellement, on a indéniablement une montée de l'inflation dont on ne sait pas du tout si elle est passagère ou si ça va durer. Mais une des raisons pour lesquelles ça passait, ou la monnaie créait des effets inflationnistes sur les biens, c'est que ça passait par les augmentations de salaire. Il faut aussi noter ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les salaires n'augmentent pas ou très peu. Ça peut changer, mais dans le système capitaliste des dernières décennies, c'était bien le cas. Et donc on n'a pas, ou on n'a plus, ou on n'a pas encore ce phénomène où la monnaie s'investirait par l'intermédiaire des entreprises dans les augmentations salariales. Et par conséquent, l'inflation n'a pas passé une des causes. Mais ça peut changer. Et en la matière, il faut toujours penser qu'on a toujours cru
que les phénomènes anciens ne se reproduiront pas ou ne se reproduiront pas à l'identique. Mais s'il y a quelque chose qui s'est quand même toujours reproduit, c'est bien la relation avec l'augmentation des prix, soit des biens, soit des actifs, d'une création de monnaie. Ce qu'on a toujours vu aussi, c'est que ces phénomènes de création de monnaie, lorsqu'elles s'exagèrent, ont toujours conduit à des crises monétaires et financières. Il ne faut pas imaginer qu'on risque de ne pas en avoir cette fois si ce phénomène continue. Bon, c'est un point très très important. Bon, maintenant sur l'inflation d'actifs, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité puisqu'on sait comment faire. Pour la dimension actif financier, pendant les longues décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on avait ce qu'on a appelé la répression financière et une situation qui est très difficile à faire aujourd'hui dans un seul pays parce qu'on a une économie globalisée, mais qui était réalisée dans le cadre d'économies auto-centrées pendant les années 50, 60, 70, et puis c'était fini à 80. Mais cette répression financière, c'est-à-dire finalement le contraire de la liberté absolue des capitaux, aussi bien de se déplacer que de se placer, bon, ça, on sait faire. Et deuxièmement, pour l'immobilier, on sait faire aussi. Il ne faut pas imaginer qu'on ne sait pas faire, parce que... Bon, quand j'étais jeune, la répression financière était aussi une répression immobilière. C'est-à-dire, les loyers étaient bloqués, etc., etc. Et l'immobilier stagnait à cause de ça. Il n'y avait plus aucune rentabilité. Il ne montait pas, les loyers étaient bloqués. Pratiquement, on avait bloqué l'augmentation des prix de l'immobilier avec des conséquences négatives, hein, bien sûr, parce que l'immobilier était très mal entretenu. Il faut voir comment était Lyon, par exemple, dans les années 60-70. Bon, ça a complètement changé. Mais il ne faut pas oublier que une des causes, finalement, des difficultés de la croissance, c'est lorsque l'accent sur l'immobilier est trop important. Et je me souviens d'un de mes anciens professeurs, Jacques Lambert, qui nous avait dit, quand on était jeunes, finalement, le choix, c'est de laisser libre l'immobilier monter, etc., et que tout l'investissement aille sur l'immobilier. C'est catastrophique pour la croissance. Il faut bloquer ça, il faut casser ça, de façon à ce que l'argent s'investisse dans des projets productifs. Patrick Artus et Pierre Juste Bon, un point très important qui m'inspire, c'est la question des attitudes au travail après les crises. Donc après la grande peste, c'est pas une question d'attitude au travail, c'est que 40% de la population est morte. Et donc ça redonne un pouvoir de négociation très fort aux salariés. Alors, est-ce qu'on peut avoir ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui quelque chose qui ressemble à ça ? Alors, qui ne serait pas que les gens sont morts, parce que ce n'est pas essentiellement les personnes d'âge actif hein, qui sont décédées de la Covid, mais qui serait que des personnes se retireraient volontairement du marché du travail. Et alors, c'est assez intéressant parce que ça ne se produit pas du tout en Europe. Au contraire, en Europe, ce qu'on appelle le taux de participation sur la proportion de la population qui va sur le marché du travail est plus élevé aujourd'hui qu'avant la Covid. Il y a plus de Français sur le marché du travail qu'au début de 2020. Par contre, il y a une chute considérable du taux de participation aux États-Unis. On a un peu plus de 5 millions d'Américains qui ont volontairement décidé de ne plus travailler. Et alors, quand vous regardez des détails, c'est intéressant parce qu'au début, on s'est dit que ça doit être les Américains les plus pauvres qui sont rebutés par les salaires très bas, mais pas du tout. En fait, c'est pour 60% des cas, c'est un effet de richesse. C'est-à-dire que ce sont des Américains qui se sont tellement enrichis sur leur portefeuille d'actions et leur maison pendant la crise qu'ils ne voient pas pourquoi ils continueraient à travailler. Donc c'est une rente pure, quoi, je veux dire. Et alors, assez curieusement, ce truc peut, aux États-Unis, provoquer un phénomène de type post-grande peste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, une rareté du salarié, quoi, je veux dire. Les salariés sont devenus rares aux États-Unis.
Il ne faut pas qu'ils soient morts, mais qu'ils sont trop riches pour travailler, ce qui est un mécanisme assez nouveau, mais quand même assez spectaculaire, je trouve. Non mais on est d'accord, on est. Oui, non mais d'où mon point de l'instant, mais. Ah, c'est beaucoup quand même, parce que c'est 2,5% des emplois. Non, c'est gros. Oui. Non mais bien entendu, on faisait une comparaison. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de se dire, est-ce que cette crise va avoir un effet assez particulier qui est de changer le rapport au travail. Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins envie de travailler, qui ont envie de travailler différemment, et à nouveau, en Europe, non. En Europe, non, on n'a pas de changement visible du rapport au travail. Alors, on peut raconter des choses assez qualitatives sur la demande de sens des jeunes quand ils rentrent dans une entreprise. Tout ça est vrai, mais c'était vrai aussi avant la crise. C'est qu'aux États-Unis, il se passe quelque chose. Il y a vraiment une partie des Américains dans un marché du travail qui est dur, quoi, je veux dire, hein, qui est, où les gens sont peu protégés, qui décident que non, ils ne veulent plus travailler, quoi. Ils sortent du marché du travail. Je trouve que c'est assez intéressant. Et alors, on est en train de se demander si ça ne va pas provoquer ce basculement du rapport de force entre les salariés et les employeurs, quoi. C'est la question pendante aujourd'hui. Alors, sur la question du travail, j'aimerais peut-être prolonger aussi sur l'ubérisation, c'est-à-dire que l'arrivée du numérique s'est accélérée à la faveur de la crise. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas détruit, selon la vision schumpeterienne de la destruction créatrice, est-ce qu'on n'a pas détruit, comme vous le disiez tout à l'heure, des métiers intermédiaires, et que c'est un jeu dangereux, finalement, cette ubérisation ? Ça c'est un point de divergence qu'on peut avoir avec quelqu'un comme Philippe Aguillon, par exemple, qui était dans ce même amphithéâtre avant, pour expliquer justement sa vision très... Aguillon a une vision extrêmement mécaniste du progrès, hein. Donc, on met de la concurrence. Comme on met de la concurrence, il y a de l'innovation. Et comme on met de l'innovation, il y a du progrès technique. Et je crois que ça ignore complètement ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire le fait qu'en tout cas, jusqu'à présent, les nouveaux emplois liés au progrès technique sont de mauvaise qualité. On fabrique des bad jobs, dans le jargon des économistes. Hein, moi. Et donc, ça, c'est un point vraiment très angoissant, je trouve, hein, Alors Pierre pourrait en parler, les révolutions industrielles passées avaient plutôt amélioré la qualité des emplois. Le métier à textile mécanisé, c'est moins dur que le métier manuel. Ça. Tandis que là, on a une révolution technologique qui dégrade la qualité des emplois, en tout cas pour l'instant. Hein, et ça crée plus de mauvais emplois, mauvais emplois que de bons. On va appeler ça l'ubérisation. Enfin, vous voyez, quand vous fermez les magasins en centre-ville et que vous les remplacez par des entrepôts Amazon, vous avez dégradé la qualité des emplois. Et donc, il y a vraiment un doute sur ce point-là qui serait extrêmement grave. Hein. C'est-à-dire, si on est dans une société où le progrès technique que nous avons amène une baisse du niveau de qualité des emplois. C'est pas seulement de rémunération, hein, c'est d'intérêt du travail, quoi. Je veux dire, hein, c'est grave, quoi. Je veux dire, c'est une évolution extrêmement grave. Et c'est pas tellement, alors on en parlait dans la session d'avant, un étage au-dessus, c'est pas tellement une caractéristique du capitalisme, puisque dans tous les modèles économiques, vous avez ça. En Chine, le progrès technique aussi fait ça sur le marché du travail. Donc, c'est pas intimement lié au capitalisme libéral, c'est lié la nature du progrès technique, quoi, qui est la numérisation. La numérisation crée peu de bons emplois et beaucoup de mauvais. Oui, deux choses. D'abord, sur ce que vous avez dit, bien entendu, la question ne se pose même pas. La comparaison terme à terme est absurde. Comme toujours, les choses sont extrêmement différentes, mais surtout avec des distances de 2, 3, 4, voire 10 siècles, évidemment. Et la question démographique, bon, 40%, 20% de morts pour les crises du XVIIe siècle. Ça n'a rien à voir avec la Covid, ça n'a rien à voir même avec la grippe espagnole, même avec le choléra, etc. Bon, mais ce qui m'avait intéressé, ce n'est pas ça. C'était une remarque qui est intéressante, me semble-t-il. C'est qu'après des chocs extrêmement graves, extrêmement lourds, dont le plus grave, les grandes pestes,
on voit que les pays ou les villes qui sont atteintes après ce choc ont une certaine résilience, d'une part, et ont même des évolutions contrastées par rapport à la situation qu'ils ou elles connaissaient auparavant. Et que les pays ou les villes ou les régions en déclin ont subi le choc de ces grandes épidémies beaucoup plus durement que les pays ou les villes qui étaient en plein essor. Et ça, c'est un point qui m'a intéressé. Et j'ai regardé comment des villes comme Londres et Naples ont réagi après un choc pesteux. On voit que Londres, qui était une ville au XVIIe siècle en plein essor, a subi évidemment 20% de pertes démographiques, mais a rebondi très vite, une courbe en V fantastique, et que l'essor, la grande peste, a été en quelque sorte un moment qui a correspondu à un essor fantastique de Londres et de l'Angleterre. Alors qu'en revanche, Naples, qui était en déclin économique, pas culturel, hein, économique, avant de subir ce choc, a eu énormément de mal dans le long terme à rebondir. Donc, selon que vous serez en essor avant et en développement avant ou déjà en déclin, les conséquences sont extrêmement différentes. Alors, le deuxième point, c'est sur la qualité des emplois avec les révolutions industrielles. Bon, c'est un débat qu'il faut prendre aussi pas à pas, parce que c'est assez complexe. Et il y a aussi, comme on dirait à la météo, le ressenti. Les salariés, les ouvriers, qui étaient dans une situation de travail dispersé, de putting out système, et qui ont été convoqués et obligés de travailler dans la grande usine, ont eu l'impression de subir une oppression terrible en allant à l'usine du diable. Et ils ont eu aussi l'impression d'un déclassement, parce qu'avant, ils étaient dans des situations d'artisanat avec un statut relativement élevé et qui se sont retrouvés dans des manufactures ou des usines concentrées qui étaient à la fois dures et dégradantes. D'autant plus qu'auparavant, c'était surtout les femmes et les enfants qui étaient concentrés dans ces usines, et se mettre à des tâches dévalorisées, c'était très pénible. Et en plus, ça a été de nouveau vrai pour le Fordisme, la chaîne, etc. Toujours avec à la fois une relative dégradation et une impression de se trouver avec du faire des travaux dévalorisés. Bon, on pourrait prendre les innovations les unes après les autres, donc il y a eu des réactions mitigées. On a le temps d'une dernière, une dernière question très courte. Allez-y. Vous parliez pour le cursus de déglobalisation qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas l'air d'avoir lieu aujourd'hui, et de fait, les productions restent sur la en France, parce qu'on a dit que les gens vont continuer à acheter là-bas. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour affirmer qu'elle n'aura pas lieu? Parce qu'il me semble qu'à la fois la puissance publique et les entreprises sont assez inquiets d'un risque de dépendance trop fort par rapport à certaines zones du monde, et je me demande s'il n'y a pas des évolutions qui vont se mettre en place par rapport à ça. Vous ne pensez pas? Oui, mais il y a deux choses. Il y a des productions qui vont être jugées comme stratégiques. Donc, on va vouloir produire un certain nombre de biens, alors je ne sais pas, des principes actifs de médicaments, des électrolyseurs pour l'hydrogène vert, etc. Mais ça sera petit, hein, je veux dire, parce que ça ne se fera qu'avec l'argent de l'État. Hein, parce que c'est non économique de fabriquer ça en Europe. On voudra le faire en Europe pour des raisons stratégiques. Mais globalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans des conditions où une relocalisation massive est possible. Je veux dire,
C'est un débat d'ailleurs assez important, parce que si on le faisait, on aurait une hausse considérable. D'abord, on aurait un énorme problème de recrutement. Enfin, n'oubliez pas que déjà aujourd'hui, dans sa taille présente, l'industrie européenne a du mal à recruter, à trouver des gens qui ont les compétences industrielles nécessaires. Donc, on n'aurait pas les compétences. Et puis, on aurait une hausse considérable des coûts de tous ces produits. Or, dans toutes les enquêtes, on aurait pu en parler d'ailleurs plus tôt, dans toutes les enquêtes faites aujourd'hui, la demande de prix bas n'a jamais été aussi forte chez les consommateurs européens ou français. Si vous voulez des prix bas, vous ne délocalisez pas, quoi. Donc je crois qu'on aura des relocalisations de type microéconomique stratégique, mais rien de global. Et en plus, et je prends juste 10 secondes, cette crise fabrique de la demande de biens. Prenez les matériels pour les nouvelles énergies, ou regardez ce qui se passe avec l'électronique. C'est des choses qui sont, d'abord, sont des biens, ne sont pas des services, et ensuite, c'est structurellement importé. Quand le télétravail a fabriqué une demande massive d'ordinateurs, on a remarqué que l'Europe ne fabriquait pas d'ordinateurs. Donc, vous êtes dans une... Au contraire, les changements de comportement fabriquent de la globalisation et fabriquent de la dépendance vis-à-vis des pays émergents. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir assisté et participé à cette table ronde. Les Échos continuent avec un programme chargé jusqu'à demain. Merci.